Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ici votre ninja streamer favori. Ici Alpha. Pour une immersion en plein âge moyenâgeux. Écoutez-moi cette musique, comme c'est beau. Comme c'est beau. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live ninja stream sur Kingdom Come Deliverance. C'est un peu un jeu de rôle simulateur médiéval et on va tester, voilà. Tiens d'ailleurs, Thomas, tu veux venir causer sur TS? Ah bah non, t'es au boulot. Excuse-moi, Thomas. Pardon. Playline. Ah, j'ai plusieurs playlines. Bon, on va commencer une nouvelle playline parce que... J'ai testé ce matin, j'ai fait de la full merde, j'ai fini en prison, je suis mort. Voilà. Donc, on va essayer d'aller plus loin cette fois-ci. T'es raisonnable. Le début du 15e siècle fut une période de crise pour le Saint-Empire romain, qui avait pourtant connu son essor sous le règne du regretté empereur Charles IV. L'oisiveté de Wenceslas lui a valu l'aversion de nombreux nobles bohémiens et allemands, mais aussi de son demi-frère. Bordel, ça va trop vite. Essayez, mais j'y pars ici. Non, il est pas free to play, il coûte 50 balles sur Steam le jeu. C'est produit par un studio indé. Donc c'est pas nécessairement le truc le plus opti du monde. Scalis, 1403. Alors, on commence le jeu en tant que Pécor première. Donc, vous attendez pas à de la chevalerie tout de suite. Parce qu'on commence très très bas dans l'échelle sociale. L'objectif, évidemment, ça va être de monter ou d'exploser la gueule à ceux qui sont en haut. Voilà. Donc là, on a Pécor premier qui a level up, qui était en cheval. Ah, là, on est avec des personnes qui sont plus de notre rang social. Quelle fournaise! Y a pas de cam pour une immersion renforcée. Donc voici le forgeron, notre papa, avec le chapeau le plus stylé du monde. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. Henry, c'est nous, Henry. Ah, il dort tard. C'est un, il me correspond bien ce Henry déjà. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Ah, je suis pas sûr si on peut dire qu'il me ressemble là-dessus. Go and get the lazy bones up then. Oh là, il a mis une main au cul. Oh là, putain, le droit des femmes et tout à l'époque, pas terrible quoi, quand même. Hein. Montre le son du jeu, ok. Je le montrerai après. Attends. Henry, Henry, lève-toi. Lève-toi. Enfin, on l'a tous entendu un jour. Hein. C'est un single player genre The Witcher. Ouais, Ben, exactement. Pas bien, Ben. C'est une sorte de The Witcher version plus réaliste et en vue FPS et en mode tu peux devenir ce que tu veux. Mais il n'y a pas d'heroic fantasy du tout. Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's nothing. It's nothing. Ouais, le verlet. Attendez, je vais faire un truc. Oula. Non, c'est bon. Oh là là. Attends, on peut faire des pauses sur des têtes cheloues. Ouais, je vais faire une pause rigolote.
En fait, dès que je fais une pause, il a l'air con, le héros. Il a l'air débile, quoi que je fasse. Alors, attendez. On va baisser l'overlay. Ah, mais c'est dégueu. Ouais, c'est vraiment dégueu si je baisse l'overlay. Faire comme ça. On va aussi baisser... qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi baisser l'opacité. Voilà, l'overlay qui va être beaucoup plus discret. Voilà, ça devrait aider. Hop. Voilà. Ouais, mieux. I scratch myself. Just don't come crying to me. Je m'en cassais la main. J'avais le copain à la taverne. Oh, la gueule de bois là, elle fait plus mal que la musique laisse l'entendre. On est obligé de jouer ce clodo du cul, exactement. Une vision inopinée. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Est-ce que je suis allé danser? Est-ce que j'étais avec Bianca? Ou est-ce que je travaillais à la forge? Ou est-ce que j'ai bavardé à la taverne? Écoutez, on va faire un personnage qui me correspond. Donc, vous savez que j'adore le conflit et que j'aime tout ce qui est assez viril. Du coup, on va dire qu'on va monter l'éloquence. Rien de spécial. On discutait. On la voit, on fouf, quelle éloquence. On a monté l'éloquence. J'ai l'impression que tu me caches des choses. Cet homme étrange avec une épée qui est arrivé. Quel homme étrange? Qu'est-ce que ça peut faire? Non, j'étais avec Bianca, je te l'ai dit. J'étais avec Bianca. Le mec, deux fois de suite, il dit qu'il était avec Bianca. Mathias m'a enseigné le tir à l'arc. C'est bien vrai, ça? Roma? Tu m'as enseigné le tir à l'arc? Écoutez, on va monter l'éloquence, on va être en mode full fiotte jusqu'au bout. Ça ne me sert à rien au village, évidemment. Nous sommes au milieu du Moyen-Âge avec que des psychopathes armés. But you know your father takes a dim view of such things. Hey, il va être un mauvais oeil. Mais il est chiant, papa. Je dis pas ça à mon vrai papa. Je l'aime, mon vrai papa. Si tu regardes ça, je t'aime beaucoup. Mes amis sont-ils venus? J'ai faim. Oui. Le connard qui se réveille. Oui, je suis allé boire. J'ai faim. Ah, en plus, elle m'a laissé des trucs sur la table. Papa est fâché contre moi. As-tu besoin d'aide? Alors, proposer de l'aide à sa mère... Parce qu'on a monté l'éloquence, faut bien faire ça quand même. Ah, you're a good lad. A good lad. It's your father needs helping with that sword. Ah, faut aider. Ah là là. Souvent, c'est ça me rappelle les souvenirs. Souvent, aider. Ah, quand j'y repense, souvent j'avais le choix. Est-ce que je vais aider ma mère ou mon père? Et c'était souvent plus relou d'aller aider ma mère que mon père. Parce que c'était les tâches ménagères et mon père c'était plus du genre couper du bois, donc c'était plus cool. Du coup, en effet, on va aider papa. Papa est fâché contre moi. Ah oui, est-ce qu'il est fâché? He's not happy. Yesterday, you promised him you'd help finish that sword for Saratzik. Mais je sais pas ce qui s'est passé hier. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Oui, bon, bah, c'est bon, il n'est pas fâché, fâché. Oui, bon, il a mal aux articulations, le vieux, on a compris. Allez, on se casse. Ouais, les animations faciales sont pas ouf, hein. Clairement, c'est pas l'avantage. Alors, attendez, avant, on vient de se lever, on a la gueule de bois. Déjà, il faut boire de l'eau. Il y a de l'eau, là? Il y a pas de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a pas de l'eau, là? Non, il y a de la nourriture, mais il y a pas d'eau. C'est la règle numéro 1 quand on se réveille d'une cuite, c'est on boit de l'eau. Beaucoup. Bon, il y a du fromage. On va tout prendre. Voilà. On va être très éloquent et très gros. Ça va être l'objectif. on va être très très éloquent. Tout en... Non, je vais pas m'asseoir. Oh merde. Attendez. Encore du fromage. J'avoue, Nana, que j'ai pas eu assez de fromage au ski avec vous.
Parce que sachez qu'au ski, on a quand même enchaîné tartiflette, raclette. Mais, eh, mais. Alors, il est très éloquent, mais il a tardé, mon personnage. Sors. Oui, bah, comment t'as faim? Oui, j'ai compris que t'avais faim. Imaginez, on reste ici, on meurt de faim au final. Alors, oui. Ah, on a mis le pied dans la soupe de lentilles. Du coup, on peut la manger maintenant, elle est assaisonnée. Il y a un bâtard qui a mis Alpaca Simulator. C'était sans foirer. Clou pour Thérèse. On va prendre ça, on sait jamais. On va prendre des bandages aussi, si jamais on se blesse, ça peut être bien. Décoction de soucis. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Soigne les blessures superficielles et dissipe la gueule de bois en une minute. Mais c'est génial! Il nous en faut plein! Attendez. J'ai pas besoin de la dissiper de toute façon, je crois. Parce que là, je suis déjà sobre, après, apparemment. Alors, voici l'inventaire. Alors, on va manger quoi? Alors, on va manger un petit pain. Hop, on va manger un peu de fromage avec. Une soupe de lentilles. Et 5 pommes. Parce que les pommes, c'est bon. Manger des pommes, voilà. Ouf, là on est... Là on est lourd d'un coup. Allez, on va sortir. Non, il n'y a rien là. Il y a des coffres. Voler tout. Je vole tout de chez moi. Crochetage facile. J'ai pas de crochet. Merde. On vole tout. Je sais, on est chez nos parents. Mais on vole tout quand même. On ne sait jamais. S'il y a un petit creux sur la route, il faut qu'on ait environ une trentaine de pommes pour pouvoir se rassasier. 5 choux aussi pour la route, ça peut être utile. Ensuite, oh bah 15 oignons, je pense que clairement si on a un petit creux, c'est aussi très utile. Je pense que c'est bon, on est paré. Let's go. On est fort en pommes ici, apparemment oui. Bonjour maman, c'est rien qu'il y a dans mes poches, t'inquiète pas. Alors, il est où papa? Papa? Où es-tu? Je crois qu'il est là. Il est près de la roue déguisage. Ton chapeau est merdique, papa. Mais je t'aime bien quand même. Bonjour, papa. Comment ça, tu m'as appelé? Mais calme-toi. Attends, il est vénère déjà, là? Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence. On va faire ça, en général, les amis. On va faire surtout ça. Ils vont crever de faim, tes parents. Ça ira, c'est des grands bonhommes. Et puis, ils ont fait leur temps. Ça dépend de la grande partie de votre réputation. Au Moyen-Âge, le statut social est d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance ainsi que votre réputation peuvent influer sur la manière dont les gens vous traitent. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier et seront aussi plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. C'est vachement bien traduit, les textes. Tu sens qu'ils ont été bien traduits. Cela dépend essentiellement de votre force ainsi que des effets dissuasifs de vos armes et équipements. Mais d'autres éléments peuvent aussi influer comme des traces de sang sur vos vêtements. Ah, je pense que ça va être ma technique, ça va me faire péter la gueule, ensuite aller voir des gens avec plein de sang. Tu vas m'écouter maintenant? Ça va être super. L'argent parle parfois plus que les mots. À vous de faire une offre qu'on ne pourra pas refuser. Soudoyer les gens fonctionne de la même manière que lors des transactions. Ok. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel aux compétences d'Henri. Par exemple, ses talents de cavalier. Bon, c'est long. J'avais quelque chose à faire. Oh, ça a marché. Oh là là, il est... Ma statistique de 3 d'éloquence a fonctionné pour convaincre papa. Très éloquent, papa. Ok, faut que j'aille acheter du charbon. Une hèche. Ah oui. Not to mention his debt from before. I would tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, not drunkard. Oui, Kunesh, il est relou. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself. Un mix entre Squeezie et McFly, ton perso, j'avoue. Merci Dragon Ours pour le réabonnement de 24 mois. 2 ans, holy shit. 2 ans, ça passe à une vitesse. Merci pour ces années de fun et continue le taf de malade. Merci, bro. Merci Dragon Ours. I had engraved in Sasso. You want me to go and pick it up?
Donc j'ai match truc à faire. En gros, je dois les récupérer. Ah, et il faut de la bière aussi. Il faut que Bianca nous donne de la bière pour papa, parce que c'est un ivrogne qui bat ma mère. Alors du coup, la plupart des quêtes peuvent être complétées de plusieurs différentes façons. L'éloquence peut vous aider. Alors, on va full éloquence, hein. On va être... On va discuter. On va essayer de négocier. Faire des pourparlers, ça va être l'objectif. Le trick après, ça va être le faire bourrer. Alors attendez. Voici le petit village. Vous pouvez retrouver toutes les informations de quête. Voilà. Alors on doit. Entraînez-vous au maniement à l'épée. Non mais ça c'est plus tard. Achetez un sac de charbon. Recouvrez la dette. Alors en gros, j'ai pas de thunes. J'ai rien en argent. Il faut que j'aille voir Kunesh d'abord. Pour lui dire, hey, connard, paye. Parce que tu nous dois de l'argent. Et ensuite je peux acheter le charbon. Et ensuite je peux acheter de la bière. Et éventuellement récupérer la garde. Je pourrais peut-être d'abord récupérer la garde. Ah ouais mais c'est au château. C'est vachement loin le château. Le château, c'est là. Ah, en vérité, on est vachement proche du château. On est important. On est plus important que les bouseux dans ce village, ici. Alors, Kunesh, il me semble qu'il est là. C'est lui, là. Pas très, très adroit de tes mains, toi. Alors... Bonjour Kunesh. Qu'est-ce qu'il veut ? Mon père m'envoie récupérer son argent. Mais j'ai rien pour lui, dégage ! Le connard. Payez au moins pour les outils, remboursez. Mais oui, payez. Je t'ai dit que je n'avais pas l'argent, petit merdeux. Dégage d'ici ou la hache va me servir à quelque chose. Non mais lui... Alors attendez. Une dette, ça se rembourse. Canard, payez, espèce de pochard. Alors, le problème, c'est que si j'utilise l'intimidation, je pense qu'avec ma tête de cotorep et mes vêtements clairement indiquant mon statut social, ça va pas forcément passer. Attendez à ce que vous... Alors, ou alors, on peut faire la poussie et dire « Je vais chercher papa !»« Je vais chercher papa !» On va tenter l'éloquence. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. Oh là, quelle éloquence. Réussite ! Si j'avais quelque chose à donner, je le ferais. La réussite, mais il me donne rien. Essayez de récupérer la hache, le marteau et les clous d'une autre façon. Quoi ? Mais non, mais... Mon éloquence a marché, donne ! Papa ! Papa ! Papa ! L'autre débile, il veut pas payer ! Papa ! Papa! Les objets, au fait! Absolument pas! Kunesh n'a pas voulu me rendre et il m'a menacé! J'aurais dû m'en douter! J'aurais pu régler son compte ce soir! Il va le buter! Attendez. Non, mais c'est pas drôle! En vérité! On peut pas s'appuyer sur papa tout le temps. Sinon, on va devoir attendre, ça va être chiant. Je vais m'occuper de lui tout seul. Eh bien, tu es un homme désormais et un homme doit se faire respecter. Donne à ce pochard ce qu'il mérite. Et fais bien attention, il a l'habitude de se battre. Et surtout, pas un mot à ta maman. Très bien. Allons-y. Au nom de Dieu. Ouh, ça va chier, là. Bon, je vais lui péter la gueule. Alors, attendez. Parce que, en gros, il y a plusieurs solutions. Ça je l'ai fait tout à l'heure sauf que en gros ça s'est mal passé. J'ai commencé à me battre avec lui et en fait il m'a mis une rouste. Problème c'est que du coup, oh bah tiens, hop là, voilà. On a récupéré la hache. C'est déjà bien. Mais le reste je pense pas que je puisse le trouver là parce que je crois que c'est dans un coffre à l'intérieur. Bon, on a volé la hache du coup. On a découvert une boutique. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas le sou. On n'a absolument pas le sou. Nous ne pouvons pas
acheter des poules. Y a pas d'outil là que je peux lui taxer. Ah. Nesh. Coucou Nesh. Bonjour. What the hell? Oh! Eh! What? Et je veux te parler là, donne! Donne la clé! Be a bit more careful. Je peux pas le buter avec la hache, je peux pas l'équiper. Laisse-moi te parler! Eh! Are you serious? Il est lourd. Oh, attendez, comment je peux faire? Parce que. Là, du coup. Bon. Je t'aurai, toi! Parce que là, en fait, le problème, c'est que si je rentre. Là, il fait son bois, là. Là, on est chez lui. On n'a pas le droit d'être là. Il a un coffre. Il me faut un crochet. Ah, peut-être qu'ils en ont dans la boutique. Ah ! Non, non ! J'étais pas chez toi ! Ok. Bon. Charbonnier coopérant. Greetings. Salutations! Parlons affaires! Je n'ai pas d'argent! Je n'ai absolument pas d'argent! Parlons affaires! Zéro! Acheter. Vendre. Ah, je peux lui vendre des trucs sinon. Je peux lui vendre la hache de Kounesh. Ah non, mais non, c'est con! Est-ce qu'on a besoin de la récupérer? Attendez, est-ce que je peux lui vendre un truc? Non, mais ça vaut rien ce que j'ai récupéré. Je lui vends ma chemise au pire. Attendez, ça coûte combien son charbon là? 0,5 pour 50. Moi, il m'en faut combien du charbon? Mon perso, il a 0 charisme, j'avoue. Il ressemble à rien. Bon, écoutez. Non, on va pas parler affaires. Je crois qu'on va essayer d'aller... Ouais, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous sommes bloqués du côté... récupérer la garde en croix au château. Essayez de récupérer la hache, le marteau et les coudes d'une autre façon. Mais oui, mais ça, je suis OK. Demandez un crochet à Fritz pour ouvrir le coffre. Ah, et alors Fritz, il est à la taverne, je crois. La taverne est là, il me semble. Oh, ce car ici. What insult? It is the truth. Had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop. Attendez. To invade with his army. Non, le son devrait être un peu plus élevé. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas Rupert. Would not go to their diets even. German. Ah, ça me rappelle Cologne. Cet accent. Qu'est-ce que ça m'avait manqué? Donc ça c'est mes bros ça. What? Just listen and you'll hear for yourself. Merci Lumpita pour les 100 bits. Reunite the empire. Yeah. La poule elle a eu peur. About the Austrians. And nowadays not even the devil himself can keep up with all the popes. Je comprends rien, on peut pas skip. Do not blaspheme. On a compris, il s'embrouille pour la politique. Ah, je peux pas skip. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will like soon have dog. Nothing left to rule. Jops had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg. Essaye de fermer ta gueule, le papy sage. Écoute, tu vas arrêter, yes, tu nous saoules. Deutsch. This is pointless. Mon cher Germain. Il s'appelle Germain, le gars. Et il a un accent allemand. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Oh ho. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Tu vois ma vue. C'est lui, Fritz. Ah ouais, lui, il a l'air bien débile. Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Ah, c'est un Germain. Il l'appelle le Germain, j'avoue. It made me think of that huge parlemagnon. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him?
Oh là là. Oh là là, les racailles de l'époque, c'était terrible. Hein. On va lui mettre du caca sur sa maison. Si ça, c'est pas un truc de bouseux de l'époque. Allez, j'allais chercher des trucs. Ouais. J'avoue que c'est... J'avoue qu'on a des trucs à faire, mais c'est absolument pas simple. Wow. Pourquoi il nous appelle Hal? Je m'appelle Henry. Est-ce qu'on est avec... Ah, bah écoutez... vous devez m'aider en échange. Oui, alors oui, du coup Fritz, tu me donnes un crochet si je t'aide. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't. Pétez la gueule à Kunesh. Voilà ce dont j'ai besoin. To him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright. Ah, il a l'air complètement débile, le Fritz. Merci pour l'abonnement aussi, Kumpita. Alors là, nous allons mettre du caca sur la maison de l'Allemand. Voilà. Donc le plan me semble plutôt bon. Il me semble que ce soit une quête de niveau plutôt épique. On est sur de la bonne quête là. En même temps, pourquoi t'as une pile de merde comme ça devant chez toi? Pas très malin. Réfléchir au plan d'attaque. Ah oui, parce qu'il y a un plan d'attaque là. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Que la voie soit libre. Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a. Mais il est à la taverne. Oui, mais il a une femme et des enfants. Et bien alors? Aye, it is. Complètement con l'autre. You gotta lure her away somehow. Why me? Parce que t'es la victime du groupe. Alors. Merde, j'ai marché dans la merde. What do you want, lad? Lad! Restons-en là. T'es sur le mec qui arrive. Bonjour! Restons-en là. Votre mari s'attire nos ennuis, madame! And your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Quel genre de sornette? Well, Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Donc c'est la merde. He might have mentioned the popes. Thank you for telling me. Merci. I just hope I can catch him. C'est bon, on a éloigné la mer. Vas-y, cours. Ça négonde. Alors, c'est bon, on peut étaler le caca. Putain. Eh ben, non. Retournez vous venger du gerbin. Mais de d'où nous venger? Ça, on incarne vraiment les débiles du village, quoi. Les typiques mecs, juste parce qu'un mec, un gars, il a dit un truc qui nous plaît pas, eh ben on va lui faire une crasse dans le dos, du coup. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! Oh là là, c'est pas possible le niveau. Je me sens pas bien, j'aurais pas dû les aider. Moi, je suis en train de faire ça. Putain. Oh, les thugs. Oh là. You bastards! What the fuck do you think you're doing? What the fuck are you think you're doing? Can't you see? Cet accent. What the fuck are you think you're doing? What the fuck are you saying about that traitor Sigismund? We're just doing what we have to do. Horse hands! Horse hands! Let's make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Zbizek, charisme plus 2. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ah, il a envoyé du caca dans la tête! Terrible! Fucker! I'll make you pay for that! Ah là là. Combat? Quoi? Combat? Mais moi je voulais pas me battre! Taille, attaque, direct. Attaque rapide. Mais je voulais pas me battre moi! État de santé de votre adversaire. Plus il est blessé, plus il sera long à réagir, à attaquer. Une fois en état critique, il pourra essayer de capituler ou s'enfuir. Vos blessures. Ah, on peut. Ah ouais, on peut être blessé à la jambe et tout, j'avais vu ça.
Choisissez la direction de l'attaque. Vous ne pouvez pas attaquer depuis une direction grisée, d'accord? Si l'attaque d'un adversaire touche votre armure et que vous bloquez, votre endurance diminue. Si vous protégez mal, vous n'êtes pas bien équipé, vous allez finir par vous blesser. Ça me paraît logique. Voilà. Oh ouais. Non mais moi je parle bien, mais je suis pas fait pour me battre. Tiens. Putain, ce que j'ai mis. Shit. Et non. Ah, je l'ai loupé quoi. Alors je... Mais dégage. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Laisse-moi. Voilà, merci mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Il a les cheveux verts. On dirait un elfe d'Oblivion. C'est bon, on a... Par pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite, l'huissier est en chemin. L'huissier, c'est le policier. Je me casse. Je me casse tout de suite. Échapper à l'huissier. Je vais me cacher dans une grange. Ça me paraît être une bonne stratégie. L'huissier me trouvera jamais. Voler? Radis. Ah oui. Peut-être pas une bonne idée de voler des trucs pendant que je suis recherché. Quoi ici là? Du radis, il y a du radis partout. Mais j'avais pas encore ça dans... Ah non. Non, je me suis fait attraper. Damn it, lads. What do you think you're playing? À quoi vous jouez? Vous tentez? Vous tenez tant que ça, vous attirez les ennuis? Ne rien dire. Je refuse qu'on insulte le roi. Ah oui, je peux utiliser mes talents d'éloquence pour lui dire je défendais le roi. The Deutsch was insulting King Wenceslas. He got what he deserved. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow, but he should drop this nonsense about. On arrive à convaincre l'huissier. You don't mind that we don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German lover? I serve my lord and my lord serves the king and that's Wenceslas. Non, mais laisse-moi. Non, j'aurais dû me barrer. So I won't go to jail. Ha! Who paid for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Ouais, peut-être par contre que j'arrête de voler des trucs. Oh là là, on s'en est tiré. Oh, il est gentil, l'huissier. Tu sais, c'est le bon le flic sympa que les gens aiment bien dans la ville. C'est lui, en fait, l'huissier. Bon, du coup, c'est bon, on s'en est sorti. Mais alors, attendez, il faut que j'aille voir Fritz. Il est où, Fritz? Rejoignez vos amis près de chez Kounesh. Ah, ils sont près de chez Kounesh, mes potes. Ils ont pas oublié. Je me suis fait attraper par l'huissier, mais c'est bon, il m'a juste tiré les oreilles. Très bien, ton papa avant. Mais non, mais c'est bon, mon papa, il... Ça ira, je lui expliquerai ce soir. J'ai des trucs à faire avec les copains d'abord. Il est où déjà Kounesh, j'ai oublié. Ah, il y a du monde là-bas. Alors, si vous vous demandez, on peut aller partout là-bas. On peut se balader dans la forêt et tout. C'est full open. Ouf, world. He's gone. Fucking Deutsch. That was close. That was close. Ok. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Actually, he caught me. What? Then how come you're here? Je suis très éloquent. He's on our side. What? What? Are you pulling my pizzle? He doesn't like the Deutsch any more than we do. He said he'll fix it somehow. Great. Looks like your dawdling paid off. Je vous en aide avec Kounesh. Je vais y travailler chez Germain. Alors attendez. Parce que... Je sens que ça va se terminer en grosse baston générale contre un pauvre gars. C'est pas dans mon style. Je vais y travailler chez Germain. Anyway, nice. Je veux juste parler à Fritz pour qu'il me file un lockpick. Attendez. Hey Fritz, donne-moi un crochet. Listen, there's this locked chest I need to get into. Ah. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway.
I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Ah, on a 4 crochets. Ah ouais, par contre, je sais pas comment crocheter un coffre, moi. Alors, Trauma, regardez, il y a Trauma dans le jeu. Mais déjà, rien que le perso, rien que ce personnage-là, il est plus stylé que le nôtre, quoi. Il y a Trauma, il y a Mathias. Bonjour, Trauma. Non, mais je vais pas parler au groupe. J'ai besoin d'aide. Non, c'est bon. Ok. Time to steal. Alors attendez. Attention, mode furtif engagé. Quand on a le bras comme ça, c'est qu'on est furtif. Il est où le mec? Sinon je peux attendre la nuit au pire pendant qu'il dort, je sais pas. Ah oh, mais non mais papa il m'attend. Faut que je fasse ça vite. Oh putain il est là. Tu n'as rien vu. Rien. Rien du tout, t'inquiète pas, tout va bien. Vite on ferme la porte. Le crochet. Ouais. Merde. Putain, c'est trop dur. Oui. Vite. Mais bon. Vite, je me casse. C'est bon, il a rien vu. Papa, j'ai les outils. Il m'a full grillé, le mec. J'ai les outils. C'est bon, il me suit pas. J'ai les outils. Papa, tiens, prends tes outils. J'ai rien fait, c'est pas moi. Les objets que tu voulais. J'ai tout repris à Kunesh. Kunesh didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them, in lieu of the debt. Took, meaning he gave them to you, or took, meaning stole. If he didn't pay, then they're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Ah, on a de l'argent. Ah, et là, s'il me trouve... Bah, je sais pas de quoi tu parles, moi je les ai pas tes trucs, hein. Regarde, juste ton coffre. C'est un bel ouvrage. On a 7 pièces. Il nous a donné 7 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec 7 euros? Je peux m'acheter à peine un kebab et demi. Du coup, charbon. On en est là. J'espère. Bon, je vais éviter de traîner là-bas maintenant. Charbon. Bonjour, monsieur Charbon. Alors, il me faut. Qu'on va faire? Alors, du charbon, il m'en faut. Ajoute. Il en faut 10. 1. Tout. C'est bon. 10. Ouais, et c'est juste ce qu'il faut. Marchander. Can we do something about the price? Est-ce qu'on peut faire un prix? Sure, why not? Est-ce qu'il me reste plus assez d'argent pour le kebab? Faire marchandage. Oh la vache, c'est vachement développé là-dessus encore. Le marchandage fonctionne dans les deux sens. Pour acheter bon marché comme pour revendre en tirant un bon bénéfice. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez payer ou obtenir avec ZS. Vous pouvez y confirmer que le commerçant répondra alors à votre offre. Si la réponse est négative, il ou elle vous fera une contre-proposition et attendra votre réaction. D'accord. Alors, dernière offre du marchand, votre offre actuelle. Votre argent et celle de chat. D'accord, ok. Alors... Écoute, que dis-tu de 3,07$ au lieu une remise de 50% parce que je suis mignon. What about this? That's a poor offer. Merde. Et ça? Go
This is a waste of time. Quoi? Non, non. Attends. On peut discuter. Attends. Est-ce qu'on peut marchander? Let's talk about the price. Why not? Alors, écoute. Écoute. 4 dollars. What about this? That's not enough. OK. Donc que dirais-tu? Le mec chiant. Allez, tu me fais une remise de 20 centimes sur ton prix actuel. Aye, that would do it. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis bon en négociation. C'est bon, on a le charbon. Papa, j'ai ton charbon. C'est chelou comme... c'est chelou comme manière de négocier. C'est genre, tu vas le voir au marchand, tu lui dis un prix méga bas. Et du coup, le marchand, il peut pas juste le dire « Non, mais dégage, genre je m'en fous de toi. Le prix, c'est le prix. » J'ai ton charbon. About time. Have you got... Calme-toi. Quoi? Je dois aller à mon cours à l'épée. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a... Get a move on. We have to... Faut que j'aille à l'épée? Attendez, mais... Parce que là, je dois d'abord aller chercher... Faut récupérer la garde en croix au château. Ah oui, je dois acheter de la bière à la taverne. Ah oui, et du coup, avec la monnaie qui me reste, je peux acheter de la bière à Bianca. Apparemment, qui est notre copine. Oui, la bière, j'ai oublié la bière. Bière, bière, bière. Je vais chercher la bière. Parce que notre père est ivre. Hey, Pip. Do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Maître d'armes. Attendez, attendez. J'achète la bière d'abord. Déjà, je voudrais bien pouvoir m'en acheter une. Parce que j'ai très soif. C'est ça, la taverne? Ça ressemble à une taverne. Cette ambiance de ouf. Mais c'est pas une taverne, ça. C'est ça, la taverne. Non, crochetage difficile, on va éviter. What? Mais elle est où, la taverne? Non, c'est ça, la taverne, on est d'accord. Ouais. Non, non, non. Fermé. Ça rappelle beaucoup Morrowind. Et évidemment, Oblivion, Skyrim, tout ça. Ah, c'est du bel ouvrage. Non, on va pas crocheter ça, on va éviter. Bon, elle est où, Bianca? C'est la fille qui balaye, là? God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. Ah, belle âme. C'est elle, Bianca? Mais elle est dégueu. Quoi par dit de la bière? Just ale. What else could I expect from a village lout? What will petit be gueux. Then, ragamuffin? Ragamuffin? Petit gueux, un pichet pour mon père, s'il te plaît. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Ah, but of course! Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. 20 centimes la bière. You too. Non mais c'est bon, on a compris, il se pécho. I suppose. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi. Ah, c'est le mec qu'on a vu. Enough. You sound just like father. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Le Schnapps. You're an angel. I hope you'll thank me properly. You bet I will. Ok. Votre partie est sauvegardée automatiquement de temps en temps à certains moments clés d'une quête et lorsque vous dormez. Si vous voulez sauvegarder manuellement, vous devez boire la potion du schnapps du sauveur. En revanche, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une boisson alcoolisée. What? Genre, t'es obligé de boire pour sauvegarder?
Ça sent la tchoule. What the fuck. Attendez. Facile de pécho dans ce feu. Non mais quelque chose me dit qu'on arrivait et que l'aventure était déjà en cours avec elle. On n'a pas eu à faire tout le taf préalable. Ce qui explique son intérêt pour nous. Alors attendez. Papa, j'ai ta bière. About time. Have you got... Depuis tout à l'heure. Quoi? Pas encore. Ah, en fait, faut que j'ai tout. And how much... No, I don't. Bon, écoute. T'auras ta bière plus tard. T'es obligé de boire sur sauvegarder, c'est ça? Beauf simulator. Attendez. Du coup, je voulais aller voir le mec avec son épée. Attendez, mais le soleil... Oh, ça va, on est en plein après-midi, là. Monsieur Vaniek. Lui, ça va être mon meilleur pote. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except mother noticed and had a word. Maman me l'a fait remarquer. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place. I want to see the world. How to protect myself. Spoken like a man. Dis-moi où ils osent. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So. Allez, pète-moi la gueule. All right. I wait on the ground by the sheepfold as usual. Ah, de la bergerie. Elle est où la bergerie? C'est où la bergerie? Attends, pars pas. C'est où la bergerie? Are you serious? Et je te pose une question, gros. Bon bah va le suivre. Hein. Si tu vas m'attendre quelque part, je te suis. Voilà, le swag des gardes. C'est vrai qu'il a un petit air de jacouille. Mais bon, c'est quand même jacouille plus classe. Merci Lumpita pour les 100 bits. Merci Red Bunners pour le réabonnement de 21 mois et coucou toi. Coucou à toi Red Bunners, merci l'ami. On s'enjaille avec cette musique. Hein. Bon, elle est où la bergerie du coup? C'est là-bas? C'est ce truc-là? Arène de combat. Je t'attends, hein. Prends ton temps. Prends ton temps. On s'est donné rendez-vous, mais y a pas de problème, j'attends. Merci de t'être dépêché. Bonjour. So, can we get started? Je t'attends depuis tout à l'heure. Alors, attendez. Non, je ne vais pas faire pas encore. Attendez. C'est bon. So, oui. Allons-y. Good. And since puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant, c'est-à-dire rien. Voilà. Let's start with the basics. Les bases. Jamais immobile. Très bien, j'ai compris ça. Jamais immobile. C'est-à-dire, on court. Comme ça, c'est bon. Moi, j'ai compris. Je cours. Moi, je me bats comme ça. Je vais me battre comme ça tout le temps. Je suis assez prêt pour attaquer, là. Non, c'est trop près, là. C'est trop près. Voilà. Là, c'est trop près là. Arrête. Tu m'as dit de bouger tout le temps. Arrête. Bon. Bien. Non mais il m'a mis l'épée dans la bouche. Ah, il a bloqué. Salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Ah, en fait c'est bouton molette, ça fait ça. Ah, il bloque tout. Alors c'est comment les stocks? Ha! Ah oui, les stocks c'est ça. D'accord, ok, ça c'est les stocks. C'est vachement détaillé hein, pour le coup le combat. Je peux parer une simple attaque, mais si tu enchaînes les coups j'aurai plus de mal à me défendre. Nice.
Vous pouvez enchaîner les attaques. Débutez une attaque dès que la précédente s'achève. Vous pouvez changer la zone d'attaque ou simplement enchaîner les coups. Essayez d'appuyer Tata juste après que votre épée ait frappé. L'idéal est de se placer entre le moment même où vous touchez et la fin du geste. Ok. Capacité de personnage sont déterminées. Mais j'ai pas le temps de lire! Non mais attends. C'est tout? Explique les trucs. N'oublie pas, n'oublie surtout pas que quand tu travailles à l'épée, tu dois surtout bien te positionner et surtout frapper au moment le plus important. Le plus important, c'est surtout de... Pas comme ça qu'on apprend. Ça quoi. Bon, alors, j'ai rien compris. Où est-ce qu'on va? J'aurais fait un piètre chevalier. Oh oui. Oh oui, je pense que j'aurais fait un piètre chevalier. Il y a une raison pour laquelle c'est pas moi qui mets une Reinhardt chez les gâteaux secs. Les cours de kendo me reviennent. Alors, les cours de kendo, ça a pas grand-chose à voir. Que les cours de kendo, on travaille à taper à la tête, taper sur les flancs et taper sur les mains. Enfin, sur les poignets. Mais j'étais pas mauvais au kendo. Je me débrouillais au kendo. Mais c'est pas la même chose. Alors, je dois faire quoi maintenant? Récupérer la garde en croix. Oui. Alors, la garde en croix, c'est au château, on m'a dit. Donc, le château est là. Putain, c'est vraiment un château tout pourri. Bah, par contre, ne spoilez pas dans le chat, hein. I'll be with you. Good evening, Henry. How are you? Tu peux tellement être un enfoiré. La balance. Non. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. Oui. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Je suis pas. Ah, je sais, il est fort papa. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Il ne respecte pas les gardes. Magnificent. Magnifique. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Garde en croix pour l'épée. C'est bon, on a tout. On a tout fait. On n'est même pas mort, on n'est même pas été en prison. Ah, parce que tout à l'heure, moi, je suis mort. Hein. Tout à l'heure, je suis mort en prison. C'est assez terrible. Et tout ce que papa m'avait demandé, il me reste plus qu'à retourner à la forge. Alors. Et les objets que tu voulais. Je les ai. La bière, good très job. Important. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Mais go me prends back pas and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Any? Eh? Mais il est sérieux là? Putain, je dois aller chercher de la bière encore avec l'autre nympho. Attendez. Du coup. Du coup, je l'ai plus, la bière qu'elle m'a donnée. Mais tellement lourd! Tu le. Ivrogne de père en fils. Non, mais. Moi, je l'aurais bien bu, du coup, la bière chaude, là. C'est pas grave. Non, mais c'est infâme. Bon, Bianca, désolé, mais. Attends, j'aurais dû rapporter la bière plus vite, quoi. Oui, oui, bonjour. Il me faut encore de la bière. Non, mais arrête, c'est gênant.
Je viens faire chercher de la bière pour mon père. I can see that. I need another pitcher of ale. The last one wasn't. You want me to get it for you? Aye. Oh là là, elle est cruchelle. Hein. Ça, y a pas de problème. On peut avoir free bière pendant un bon moment avec elle. Ça, c'est très bien. Non mais elle est pas chaude. Elle est tiède. Enfin, elle est genre un peu froide, it's mais pas fraîche. You... question. Attends. Donne-moi d'autres bières. Parce qu'apparemment, on peut choper masse bière avec toi. Bon. C'est bon, on a récupéré auprès de la cruche de bière de la bière. Il est où le daron? En plus, à chaque fois, c'est à l'autre bout du village, là, ce foutu forgeron, là. Bon. Dad! Est-ce qu'elle est bon? Est-ce ça va la bière maintenant? Oui. Non, mais non! Mais, ah! Oui, je les ai. Good job. Ah bah merci. Bien joué. On me remercie avec un bien joué. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. Oh la vache, ouais. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Ouais, elle a l'air stylée, l'épée. We got the charcoal? Good. And fire up the forge. We'll put it all together. Il est au bord de l'anévrisme quand il est soufflé, un peu. Ouais. Someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. Je vois pas de quoi tu parles. Poker face. Not sure. Mais putain. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. C'était pour récupérer des crochets. And it was not a friendly visit. What got into you, Hal? Mais. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? Je prends un coup de pied au cul, je le sens. You can go clean up the mess you made and apologize to him. Oh non, mais oh. I have a trade to run. The Germans pay well. And having my son in the pillory... Oh putain, mais c'est back into être un gamin simulator, ce jeu, là. Put me in the eye. Ça m'avait pas manqué. Ça m'avait vraiment pas manqué. Good. We'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish in war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Ah oui, ça je suis d'accord. Non mais j'ai level up mon éloquence, papa. Tu vois pas de quoi tu parles? J'ai un point de force. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. N'empêche, c'est vraiment... Tu sens qu'ils se sont fortement renseignés sur ces métiers de l'époque, comment ça se faisait, etc. Alors c'est bien documenté, ça se sent. Good. Once more. C'est galère, ça n'empêche. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Le but final du jeu? Ah mais c'est une campagne. Genre c'est un scénario. Il y a une histoire, etc. Là on galère parce qu'on est au début, mais en fait. Le jeu t'envoie de gamin avec ton daron jusqu'à chevalier limite quoi. Master swordsmith making horseshoes in a village.
I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Ah bah oui, j'ai mon esclave personnel. Remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. Mais Wenceslas, c'est un connard, apparemment. Doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Ah, l'épée abusée. Est-ce que je peux la garder? Je sens qu'on va la récupérer, d'une certaine manière. Ça, c'est de l'épée. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? Je les ai déjà. Trunk in the living room. Ouais, ouais, je sais. Je les ai volés tout à l'heure. Tiens. Elle est mieux que Bianca, elle. Here are those nails you wanted. Thanks. Parfait. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, must oh, ça sent le love triangle. That sword is truly beautiful. Oh là là, ça sent le love triangle, c'est terrible. Ah oui, d'accord, on a compris. On n'avait pas besoin de ça, le jeu, hein. On avait compris. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Putain, c'est vraiment beau simulateur. La coupe, la coupe. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Ah, il y a Pécor premier. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Il est arrivé au bon moment, lui. Hein. Parce qu'il serait arrivé pendant qu'on galérait à récupérer tout ce qu'il fallait. Il aurait attendu un moment. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Oula, papa, il est pas content. Ah oui, d'accord. Oh putain. C'est gênant. You still have a lot to learn. Un peu, oui. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of them. Full bourré. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Isvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. Oh là là, je sens qu'ils vont nous emmerder. No problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. J'aime pas le mec en noir. Je ne lui fais absolument pas confiance. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Waouh, ils sont trop cool. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality.
A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Ouais, te raconter des histoires historiques, des histoires trop bien. But I won't. Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. Oui, je veux explorer. With an adventurous life, son, it can end before it gets started. On s'en fout. I might teach you how to handle a sword. And then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world. Eh oui. Meet new people. Meet them or beat them. Meet. La victime déguisée en Robin des Bois, c'est moi, Locke. No need to learn sword play. Un peu de respect. Oula. Elle a crié fort. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Il y a des méchants. Oh merde. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, je me disais quand est-ce que ça allait un petit peu démarrer là. Apparemment maintenant. Putain, il y a Calogrenant. Il y a Calogrenant qui nous attaque. Seigneur Calogrenant, rangez cette épée tout de suite. Ah ouais, non. Ah, courez. Courez. Oui, non, non, oui, bah oui, il faut peut-être courir plus vite que ça. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Attends, t'as parlé trop vite. Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. Oh, je sens qu'ils vont tous les deux crever. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. L'épée à Radzik, il s'occupera de toi, il me redevable. Ok, faut que j'aille d'abord prendre un truc dans le coffre de la maison. Oh mais c'est tellement la merde. Ah bah oui, non mais... Enfin... Ah bon, c'est bon, il le fait pour moi. Parfait. D'accord, il n'y avait pas grand chose à prendre. Ah moi je veux faire ça plus tard. Archer sur cheval. Need. Close the gates! Come on, we're closing! Move in, people! Come on, we're come out of time. On! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the Keep gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Ah, les gardes, c'est des potes. C'est ça, archer sur cheval, spé éloquence. Ah ouais, il est vénère, papa. Oh putain. Ouais. Non, Calogrenant, ne les attaque pas. Putain, il les déchire tous. C'est un badass, mon père, en fait. Papa. Oh, il est mort. Oh, il est tellement foutu. RIP! Ah oh, merde.
Ah bah non mais vous êtes cons. Ah, c'était pas fun, hein, cette époque. Vous avez appris Scalis. Ok. Alors, faut que je trouve un passage. Faut que j'aille dans les douves. Là, il parlait des douves. Est-ce que je vais rejoindre Talmerg? Récupère un cheval. Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Mon village natal s'est fait attaquer, tadadada, je suis préparé, mais les portes étaient déjà fermées. Ils m'ont alors crié du haut des remparts de partir mettre en garde le peuple de Thalmberg pour qu'ils ne connaissent pas un destin similaire. Ok, donc faut que j'aille à Thalmberg. C'est où Thalmberg? C'est où Thalmberg? C'est là? Ah oui. Donc il faut qu'on aille vers l'est. Est-sud-est. Ah oh, putain, je suis... Ah, la scène où les parents ils y passent, elle est bien réalisée. Genre, ça fait un peu badé. Ça te fait réaliser à quel point à l'époque c'était assez infernal. Oh merde. Équitation. Le trot et la vitesse par défaut. Faites marcher votre cheval au pas pour le laisser reprendre son souffle. Petit galop mélange idéal entre vitesse et endurance. Le galop est l'allure la plus rapide du cheval, mais elle vide rapidement son endurance. Empruntez un chemin. Votre cheval est plus intelligent que certaines personnes. Il reste sur son chemin si vous lui lâchez la bride. Mettez-le au petit galop et cessez de l'orienter. Les endurances de votre cheval se vide. Ok. Ah ouais, il y a des soldats déjà en face. Ah ouais, mais non, moi c'est... Attends, je vais intervenir, c'est... Merde, c'est mon équipe. Comment j'équipe l'épée? Combat. Brandir arme de mêlée. Oh, ça va chier. Foutez-lui la paix! Mamma mia! Vous êtes trop nombreux! Vous êtes trop nombreux! Arrêtez! Non! J'ai réalisé un peu tardivement. Que ils étaient trop nombreux. J'espère que je reprends pas trop loin. Ça ferait chier. Putain. C'est bon. Très bien. Alors, vous voyez, c'est bien d'être... Là, j'ai appris une leçon de vie très importante. Parce que là, clairement, Jacouille charisme sur 20 n'était pas prêt. Plus tard, on fera ce genre d'acte héroïque plus tard, on n'est pas encore prêt. Mais je lui ai quand même mis une petite taillade, je pense que je lui ai fait au moins un bleu. Et vous savez quoi, ça suffit pour mon honneur. Écoute, c'est... Bon voilà, j'ai envie de vous dire, messieurs... Oui, équitation, c'est pour ça que le jeu nous donne un tuto équitation, là. Pas combat. Alors, amusez-vous bien. Voilà, je vous laisse ici. X. A plus tard. Salut. Attendez, on peut pas? Oh putain, oui. J'en veux encore! Tiens! Tiens! Mamma mia! Aha! Aha! La cavalerie est là! Non, je l'ai loupé. Tiens! Oh là, j'ai mis un petit coup. Et tiens! Putain, il y a des archers là-dedans. Oh merde. Ah non! Non! Oh putain de merde. Oh, ils vont me finir! Cours! Cours, 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 cours! Vite! Vite! On se casse, c'est bon! Voilà. Ah oui, d'accord.
Non mais... Laissez-moi. Attendez, attendez, merde. Hein. Non, non, non. 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 Non, ok, ça sert à rien de... J'arrive pas à les TP. Ok, non, ça sert à rien. Non, non, je voulais pas tomber. Non, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu de chez foutu. Non, je suis mort. Non, laissez-moi. Ok, très bien. Je vais arrêter d'essayer de faire du 1v10 alors que je suis qu'un simple fermier. Ça ne sert à rien. Non, par contre, ils te font tomber de cheval vite, hein. Holy shit. Bon, très bien. Donc cette fois-ci, nous allons tenter une troisième fois. C'est infâme. Comment je fais? On peut vraiment pas se faire quelque chose pour les buter? Pas cool quand même. Merde, c'est pas où que je devais aller. Je suis full perdu. Ça y est. Non, c'est par là. Sauver et fuir? Comment ça? Apparemment, sauve. Mais comment je la sauve, Thérèse? Ah, j'avoue, un baril de poudre. Mais comment je la sauve, Thérèse? Attendez, je vais remettre un petit coup. Mon joie! Lâchez Thérèse! Non. C'est bon. Aidez Thérèse. C'est bon, ouais, c'est bon. Démerde-toi maintenant. Bon courage. Salut. Moi, je suis en route. C'est bon, on a aidé Thérèse. On a été héroïque sans mourir. Ça, c'est quand même beau. Je ne sais pas du tout si Thérèse va s'en sortir, mais ça, c'est une bonne chose de faite. Au galop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est en train d'abandonner la région, du coup. Oh là, les mecs, ils y vont à coup de dague et tout. Ah, c'est pratique d'avoir les sous-titres, là. Aïe! Ah ouais, non. Au galop! Vite! La plaie doit être pensée, mais Henri n'a pas encore apprécié. Vous devez vite trouver quelqu'un en mesure de vous porter secours. Quoi? Mais vous avez vu ce qu'il y a derrière moi? Comment vous voulez que je porte secours? Aïe. Il m'a mis une flèche dans le cul, là, je rêve. Ah non, 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 laisse-moi. Je dodge. Vous devez parfois rejoindre la hâte à un lieu précis. Ok, c'est à gauche. Mais laissez-moi! Mais je suis juste un pauvre gars, là! Vous êtes trois à me chase! Vas-y, Vas-y, cours! Allez! Allez, bon courage! Mais il l'attaque pas! Mais arrêtez-vous pour le taper! J'ai faim. C'est le moment pour y penser. Mais par contre, mon cheval, il a plus beaucoup d'endurance. Pourquoi je vais là? Pourquoi je vais là? Allez, bon courage! Salut! Mais il ne tape pas! Mais laissez-moi! Oh merde, mon cheval! Mon cheval! Oh putain! Non! Non! Comment dire? Arrêtez de me tirer dessus, vous êtes lourd! Au galop! À la ruine! Arrêtez de me tirer dessus! Pardon, excuse-moi! Je sais pas du tout où je vais. Ah, c'est bien fait les checkpoints, ils suivent les routes en fait. Pas mal. Cours! Mais attendez, mais comment je fais pour les semer là? Au secours! Il ne me lâche pas! Ah! Non, mais j'ai pris une flèche dans le genou! Aïe! J'ai une lésion.
J'ai une lésion critique. Oh, je vois le château. Laissez-moi. Là, je vais crever, genre. Oh, c'est bon. J'ai des flèches plein le cul. Non, arrêtez. Mais non, mais ça fout le chase là. A l'aide! Est-ce que. Ah, défoncez-les, défoncez-les. Nice. C'est qu'à chaque fois, t'as le souci de réalisme et de... Tout le monde est nul à cette époque, donc personne touche les flèches, mais c'est surtout l'effet psychologique qui fait que les mecs s'arrêtent. Enfin bon, tout le monde est nul, moi j'ai quand même pris des flèches dans le cul. À l'aide! Je suis en train de me vider de mon sang. Je suis en train de mourir, à l'aide. Quelqu'un peut m'aider. J'ai pas qu'une flèche, hein. La cinématique ment. Mais regardez. Eh bah merci, mais surtout. Eh oui, bah merci, plus vite que ça. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? Je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. They burned it to the ground. Oh, t'es parfait. Slaughtered everyone. Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe. Je dirais qu'ils étaient de l'Est. Je dirais qu'ils étaient du Sud-Est. Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Oui. C'est des FR 100%. Oui, des Hongrois. Ouais, je pensais à ça aussi. Peut-être des Hongrois. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Il est cool, lui. Il a une belle moustache, en plus. There you go. Good as new. Putain. Le bourrin, quoi. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Yeah. C'est mon pote, lui. Ça va devenir un peu mon nouveau père, je le sens. Il va me demander des trucs chiants à faire tout le temps. C'est qui, lui? Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Scalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Scalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Ah, c'est pas des Hongrois. Sacking Gutenberg. Must have given him a taste for stolen silver. N'empêche, ça devait être infâme à l'époque. T'as des mecs qui arrivent, tu sais pas d'où ils viennent, ils déchirent tout dans ton village, et pas ce qu'ils veulent. Infernal. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry. Jacouille. Son of the Scalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? Ah non, ça va être compliqué pour lui. I'm sorry.
It's in God's hands now. No one else can help us. Merci Ace Gaming pour le sub. Thank you. Et merci Just Nayo. To warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ah, c'est mes nouveaux potes. Ah, et puis là, je vais faire des trucs de soldat. Là, ça va être plus intéressant que d'aller chercher du charbon. Ah, ça fait plaisir. Merci Mister Rocky pour l'abonnement de 14 mois. Et encore un mois avec le moins sobre de tous les pirates. Merci moi. C'est bon, ils m'ont soigné, nice. Vous pouvez vérifier votre jauge de santé. Niveau de santé déjà mis avec moi, niveau maximal d'endurance. Ah ok. Potions de guérison peuvent être utiles. That should do. When will he bring them? He promised he'd bring them the day after tomorrow. Excellent. You'll take care of it when he comes? Certainly, sir. Are you serious? Je voulais voir ce qui se passerait. Bon, il est temps de manger. Tiens, on a encore un peu de pain de chez mes parents décédés. Hop. On va se manger 5 oignons, ça fait toujours du bien. Voilà, et puis j'ai 45 pommes quand même. Allez, un peu de radis. Ah, on a bien mangé là. On a très bien mangé. Du coup, ils veulent que je dorme. On est, c'est quoi cette icône en bas là? Il y a un icône qui dit dormir en bas, ça fait quoi? Ah, je peux level up. Éloquence. Moins 1. Pourquoi j'ai moins 1? Pourquoi j'ai moins 1 en éloquence? Eh. Non. Je peux level up. Je peux pas level up. J'ai pris des radis et des oignons. Je vois pas en quoi mon haleine serait changée par l'éloquence. Je vois pas en quoi mon éloquence serait changée. Ah, peut-être que j'arrive de débarquer chez les gens comme ça. Merci Pandasou pour l'abonnement de 5 mois. C'est quand que le Qtero va couper des têtes là? C'est pas inné. C'est clairement pas inné. Parlez au seigneur Robard. C'est qui Robard? C'est lui? Robard? Hein? Oui, c'est moi. Non, c'est lui, Robert. Ah, c'est lui. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about you. Damn. J'ai déjà mangé, mais je ne dis pas non à manger encore. I'm sure he has reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Le chevalier obèse, ce sera moi. J'aurais peut-être pas dû manger comme un morphal tout ce que j'avais dans mes poches en me réveillant. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Ah oui. Young master. Ben, je vous cache pas que les 5 oignons, 2 radis, fromage, pain et pommes que je viens de manger m'ont quand même un peu rassasié, mais si vous avez un petit alcool local, on peut se faire un trou normand, aucun problème. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Ah nice, bon truc. Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank ouais, you. Ouais, merci. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Eh, on a, en vérité, on a upgrade en termes de qualité de vie. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge.
And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Eh, hey, non mais respecte-moi, genre je vais me faire attaquer quand même. La fin n'est pas à prendre à la légère. Henry s'affaiblit au fur et à mesure qu'il ne s'alimente pas. Au bout d'un certain temps, il peut même mourir. Les aliments ont des propriétés différentes. Par exemple, une pomme ne vous remplira pas autant l'estomac qu'un canard rôti. Ah bon ? Mais restera consommable plus longtemps. Certains produits peuvent être plus efficaces que d'autres. Ok, d'accord. Mais alors, moi, j'aimerais savoir ce que veulent dire les statues en bas. Faim. Fatigue. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Ah oh bah un petit quart de canard rôti, écoutez, je ne dis pas non. Je me dis pas non à deux, ni trois, en vérité. Je ne dis pas non plus non à une purée de lentilles. Ouf. Allez. Un, deux. Je vais pas abuser non plus. Hein. Allez, un troisième. Un bout de pain. On va prendre un peu de fromage. Voilà. L'équivalent d'un camembert, d'un reblochon, ça devrait le faire. Voilà. Et puis pour le dessert, hein, faut bien trois pommes pour digérer tout ça. Sinon, ça va être un petit peu léger. Si vous avez le tonnelet de bière que je peux embarquer dans ma chambre, moi, ça me va. On va faire un peu de fromage avant de partir, quand même. Un peu de pain aussi. I feel quite hungry. Ouais, j'ai un peu faim, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai faim, mais ça va venir. Vous avez rien d'autre, là ? Watch where you go. On va manger dans la marmite, voilà. Voilà, on a mangé un peu dans la marmite, c'est bien. Oh bah écoutez, il est temps de se défoncer le bide. Allez, trois quarts de canard rôti, vous êtes repu. Non mais attendez, j'ai encore faim là. Attendez d'avoir digéré. Quoi ? Non mais... Moi je veux manger plus là. D'où je suis repu ? De quoi ? Il faut que j'aille dormir maintenant. Calme-toi là, je t'ai effleuré. Watch where you're going. Une féministe encore. Allez dormir jusqu'au matin dans la cabane de la cour. Quoi, dans la cabane? Je croyais que c'était dans le château. Bon bah écoutez, on va dormir. Du coup, c'est là qu'on dort? Merde. Ça, c'est mon réveil de chez moi. Votre endurance et éloquence vont diminuer si vous êtes fatigué. Le sommeil est la solution. L'icône sur la boussole vous indique si le lit est libre. Ah bon, parce qu'il faut qu'il soit libre. C'est vous. On va fermer la porte. Un petit peu de vie privée, merci. Ah. Dormi. Combien de temps on veut dormir? Alors attendez, quelle heure il est là? Il est 19h. Oh bah on va bien dormir 12h. Voilà. On est très fatigué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été réveillé? La patrouille va être doublée. Merde, j'ai pas enlevé les bottes. Yes. It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy. Ah oui, mais ça tombe bien, je voulais faire mon break de 2 heures. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Bah c'est parfait, écoutez, c'est mon break de 2 heures. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. J'avais une petite faim. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Là, ce qui m'obsède, c'est surtout que j'ai pas enlevé mes bottes. Thank you kindly. Et que je me sens pas bien. Now,
Henry. Putain, le chat est dégueulasse. Vous êtes horrible. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it. If you feel like it. N'arrive pas à raconter l'histoire. Ah ouais. Est-ce qu'on raconte l'histoire de l'assaut? Non, je vais faire l'homme fragile qui est trop choqué pour en parler. I'm sorry, my lady, but I can't talk about it. Not yet. Everyone close to me died there. I'm sorry about what befell you. Quoi ce bruit qu'il y a eu? Thank you, my lady. I hope at least Radzik and those who managed to take cover are still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. God. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. Mais c'est la merde, là. What is to become of us? God alone knows. On peut manger. True. Tant qu'il y a des canards à manger, moi ça va. I should go. It's late. You must be tired. Oui, il fourbu. Good night. Bonne nuit. Good night, ma'am. Elle a pas repéré que j'avais pas enlevé mes bottes. C'est parfait. Maintenant, je peux les enlever. J'espère qu'il va pas me recoucher là. Attends, te recouche pas. Laisse-moi enlever mes bottes, s'il te plaît. Non. 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 Putain. Mais putain, je vais me faire engueuler par le sergent quand je vais me réveiller. Non. Ah putain. Elle est partie avec la bouffe en plus. Ah mais il faut que je mange un peu là pour me rendormir, ça va pas là. Oh putain, j'ai foutu les draps sur mes bottes en plus, oh là là. Ah, ça c'est pas cool comme rêve. Ça c'est vraiment pas cool. Mais ce qui m'obsède surtout. Wake up. Ah. Oh, putain. You don't want to miss this. J'ai enlevé mes bottes. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scallops. Ça, il a pas vu que j'avais mes bottes. Ils sont tous aveugles dans ce château, c'est trop bien. Allez, let's go. Accéder au rempart en montant l'escalier du chemin de ronde. Ok. Oh! Le bruit qu'il fait, lui! Comment j'ai fait pour dormir à côté de ça? Attendez. C'est important de commencer bien la journée. Avec deux... Mais... M'énerve, je peux pas manger comme je veux à ma faim. J'ai un corps de maigre. Prends le flambeau sur la table. Ah oui. Le flambeau. C'est bon. Ok. Si vous avez besoin de lumière la nuit, utilisez votre flambeau maintenant. 1. Si vous avez besoin de votre main gauche pour tenir un bouclier. Ok. Merde. C'est quoi? Ah, j'ai pas compris. Alors, je dois aller où? Ouais, c'est vrai que c'est la nuit, y'a rien. Pas de lumière. On voit bien ce qui se passe à l'extérieur, hein. C'est très très bien d'avoir une torche avec moi.
Oh merde. Non, non, tu m'as rien vu. Tu n'as rien vu. Oups. Oups. Attendez, mais je dois aller où là? Je comprends pas. Merde. Non mais... Bonjour. C'est-à-dire que... Alors, la situation est cocasse. Je suis bloqué. Tu peux te recoucher? Oui, oui, t'as dû rêver. Ah, voilà. Ça va tant. Enlever la torche, quand même. Non. Ok. Ah ok, faut laisser appuyer. Alors j'ai compris. Où est-ce que je dois aller? J'ai pas compris où je devais aller en fait. Les musiques sont assez cool, c'est bien, je trouve, là-dessus. Alors, où est-ce que je dois aller? Bon. Montant l'escalier du chemin de ronde, mais c'est pas ce que j'ai fait. Mais c'est ce que j'ai fait. Là, je suis dans l'escalier du chemin de ronde. Et là, je suis au rempart. Bah, what? Bah ouais, moi, il m'a l'air bien, ce jeu. Hein. Honnêtement, je m'amuse bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu pas mal de mecs poster sur Twitter. Ouais, il est injouable. Il est complètement truffé de bugs. Attendez quelques mois. J'ai pas eu un seul bug majeur depuis que j'ai commencé à jouer, hein, honnêtement. Genre, je trouve qu'il y a des mecs qui sont un peu exagérants. Après, peut-être que certains PC, il y a des bugs. Mais sur le mien, qui pourtant a l'habitude de récolter tous les bugs de la Terre quand je joue à Star Citizen, là, n'a pas de soucis. Donc, ça dépend, je pense, vraiment des configs. Mais très, très honnêtement, il est cool. J'ai pas de drop de FPS. C'est nickel. C'est très agréable à jouer, en tout cas. Ah, c'est là. Il est où, monsieur Robard? Homburg's a strong castle, though. It can handle a siege. The best thing would be to join forces with Scarlet's and wipe Sigismund's bastards off the face of the earth. That's probably why they attacked so quick, so we wouldn't have time to join forces. Seems fair. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, you understand? En tout cas, c'est hyper immersif, hein. Ça, c'est clairement très agréable. What the hell? What's pastille? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmurg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Scalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Scalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Okay. Ouais, j'ai pas fini de dormir. Oh. C'est marrant parce que les graphismes sont un peu ils sont un peu inégaux. Ah, il a réussi à s'enfuir, lui. Sa seigneurie. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Quelque chose me dit que lui, il a fait un deal avec les envahisseurs. It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me.
He only got away by the skin of his teeth, though. J'ai perdu ton épée. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Ouais. God for this tempest. Ouais, bien sûr, mon cul. Began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tumber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Rattai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. J'y crois pas. Il y a un truc qui cloche. Come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Ben Denis. That boy's still with you. Oh, ça me rappelle. Oui. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. Par contre, du charisme, je peux pas le dire que t'en es. Would you care to join us? Vous avez du canard? I'd like to, sir, but first I have to return to Scalix. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired donkey? Of living? Sir! Quiet! Ah ouais. I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Valdic. Bonne blague. I see you've grown a thick skin since bon vieux Havel, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! These are full of tariffs. Ok. Merci à Tral Drogo pour le réabonnement de 5 mois. Merci à toi, l'ami. Et merci, Mr. Rocky, pour le réabonnement de 14 mois. Men, tonight we'll have triple patrol. Bah, le Seigneur Robert. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux vous aider? What is it you need? I could use an extra pair of eyes in the order. Will you keep watch of the battlements with my men? I'd rather it was a request you answered yes. Of course I'll help. I have to pay you back somehow. Bien sûr. And don't worry. I'll... Ah, je dois vraiment rester à un endroit et regarder. Be a bit more careful. Monter la garde sur les remparts. Au secours! Le début de l'ennui! Non! Voilà! Mais t'en vois que dalle! J'enlève ma torche. Ah, c'est bien fait ça! Attendez. Attendez. Ah ouais! Ah, c'est vachement bien fait ça! Genre, la torche, tu vois que dalle. Et si tu l'enlèves. Tada! Ça, c'est très bien fait. Parce qu'en effet, je me disais, on voit rien du tout quand on a la torche out. Ah bah, y'a personne, hein. Mais pourquoi j'ai les boulots de merde? Je suis éloquent, moi, quand même. Je pouvais pas le convaincre de m'envoyer explorer quelque chose, je sais pas. Enfin, peut-être que je range mon épée. Ben non. Voilà. Ah, j'ai vu un truc. Around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. Ah, c'est bien. C'est. Ah là, j'ai trouvé un mec qui m'explique comment monter la garde. Trop bien. Si vous êtes contraint de patienter, effectuez un saut dans le temps. Comme dans Oblivion ou Morrowind. Ah, c'est la tempête de chez Tempête. Hein. Alors, c'est où? Il est où ton spot pour te tenir contre le mur? Enfin, c'est pluie torrentielle.
C'est là. Voilà, près de la porte, comme ça, si l'officier sort, je dirais que je suis grillé. Putain, on va attendre combien de temps? Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais, tu perds de l'énergie. Bon, vas-y, on va attendre 4 heures. Le garde fonctionnaire. Alerte! 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 J'ai vu un truc! Ouais, ouais, alerte, je suis d'accord, alerte! Oui, il sonne. Vous êtes sur le chemin de ronde. Oui, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? En effet, j'ai repéré quelque chose, hein. J'étais pas du tout en train de dormir. Ah! Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Un calogrenant, quoi. Il continue de nous attaquer. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Tomberg. Belle moustache. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. C'est un très fort accent allemand aussi. Against those who disrupt concord in the land, and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus the Fourth. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Taumburg, divine peace reigned until your arrival. Il a pas tort. What then do we owe the honor of your visit? Yesterday, his majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Scarlet's mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? No. As far as I know, the Sir Ratzik of which you speak is the king's hetman at Scarlet's. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Ratzik is not at Taumburg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king, then, that Sir Ratzik Kobila is not at Taumburg, and that he has your loyalty? Sir Ratzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis morgen. Visuellement, c'est joli, là. Brûler tout. Ah non.
veut dire quoi? c'est quoi quand tu fais ça dans les airs? C'est bon. Pour parler, réussi. Get on with you, Robard. Ouais, j'avoue, il a beaucoup d'éloquence. Je pourrais apprendre de lui. Moi, je veux être spé éloquence comme lui. Parce que là, il a réussi à quand même dégager une armée. Mais quand même, lui, je vais le buter. Lui, je vais le buter. J'ai rien pour attendre le moustachu, là. Non, je connais pas les signes pour parler aux troupes, moi. Moi, je connais les drapeaux. Enterrez vos êtres chers à Ascalis. Parlez au seigneur Robin, récupérez un cheval. On va d'abord parler au seigneur Robin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Parce que là, j'ai toujours les pestilés, en fait. C'est ça qui est cool. Attends, mais il est où, Ouais. Il est où, monsieur Robert? Ah, arène de combat. On va d'abord aller voir monsieur Robert. Bon, il est où? Il est pas du tout là. Il me faut un cheval, mais quelque chose me dit que j'en volerais un si j'en prenais un ici. Il est beau ce cheval. Enfourcher et voler. Enfourcher et voler. Merde. Ah. Ah, c'est celui-là mon cheval. D'accord. Attendez. Il est derrière. Ding. Il est. Alors. My respects to you. Pourquoi c'est de, que cher si que savez-vous sur les coumans? Que savez-vous sur les coumans? Where c'est qui eux? Humans come from anyway? I don't know much about them. Only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them. Because they dishonor our rules of... And believe D'accord. me, it's always about power and money. C'est des enfoirés. Ok. So, what would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and others. Ah, on va se battre. Nice. And anyway, your lord commanded you to stay here. Haha. Il ne peut rien contre mes trois points d'éloquence. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Quoi? Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Écoute, merde. Voilà. J'y vais quand même. Je t'emmerde, le vieux. Parti. On va enterrer les parents. On va peut-être sauvegarder avant. Alors, on sauvegarde en buvant un coup, c'est ça? Snaps. Hein? Manger. Partie sauvegardée. Ça veut dire que j'ai plus que deux sauvegardes là? Essayez d'aller voir d'autres marchands ou une taverne vers un appétit. Vous aussi en fabriquez vous-même à condition d'avoir les ingrédients. Et un établi de chimie. D'accord, ok. C'est intéressant comme concept pour sauvegarder. Allez, let's go. L'alcool agit progressivement. Dans un premier temps, vous obtenez des bonus d'éloquence. Ah merde, j'aurais dû boire avant de parler au vieux. Si vous en abusez, les effets secondaires peuvent en revanche être plus désagréables. Ah merde. Allez, onwards to adventure. T'as la tête du bonus, il a une tête débile. Tu me laisses sortir par contre, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non mais... C'est lourd là par contre. Laisse-moi sortir. Bonjour. God be with you. Oh, il a l'air défoncé. Faut que je sorte. We need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders. Quoi? Eh. J'ai 4 points d'éloquence cette fois.
My mother and father were left in Scalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard to take something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Alright, we'll see what I can do. Is there someone here? Hungry, are you? You should go and see the cook. Non, c'est bon, niveau de la nourriture, je suis bien, là. Especially if... C'est quoi ce vieux rire random? Folk aren't too fond of him. Because he's a... But he can get you just about anything. I saw him by the granary. Ok, bon. À plus tard. Fuck! Bon, attendez. Là, cette fois-ci, j'ai beaucoup d'éloquence. Faut vite que j'aille lui parler avant que l'alcool s'en aille. Wait! Ah non, je peux plus. Why did Sigismund? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Mais c'est trop lourd, comment je fais du coup? Moi, je veux sortir là. Comment je fais? Intérêt, récupérer un cheval, quitter le château. Ouais, mais je peux pas là. La menace d'attaque s'est dissipée. Attendez. Je peux pas juste escalader la barrière. J'escalade la barrière comme un gros débile. En mode je vais partir, laissez-moi. Non. Ça aurait été tellement bien que je puisse sortir comme ça. Ah! Comment je fais pour sortir de cette foutue... Merde. Vous avez parlé à l'autre, peut-être? Oh, toi, t'as tellement de charisme. Il a tellement de charisme, lui. Fuck. Est-ce que je peux parler alors au grand patron? Ah oui, j'ai gagné des levels. En effet, faut que je regarde. Alors, comment je fais pour les dépenser? Ah, A7. Cavalier nocturne. Non. Odeur virile. Ça fait quoi, ça? Lorsque vous êtes sale, vous avez plus 50% de charisme. En parlant aux femmes, mais on vous voit venir à une lieue. Votre furtivité est réduite de 30%. Ça, c'est... Alors ça, on prendra ce trait plus tard. Vagabond. Vous avez grandi dans des conditions précaires. La qualité des lits est donc inversée à vos yeux. Plus la couche est mauvaise, mieux vous dormez. C'est improbable. C'est marrant, ça. Augmente légèrement la portée visuelle des voyages rapides, mais aussi de 10% les probabilités d'esquive. Ah, c'est intéressant, ça. Cavalier nocturne. Votre endurance régénère 20% plus rapidement de nuit, mais 10% plus lentement de jour. Ok, non. Vous tenez 30% plus longtemps sans nourriture, mais les effets sont aggravés de 20% lorsque vous avez faim. Ah ouais, non. Ah non, moi, je suis pas pour ça. Ça m'intéresse pas, ça. Ah, attendez. Vagabond. Odeur virile. Mais moi, je veux être furtif. Donc, odeur virile, non. Moi, je veux être propre. Éclaireur, c'est intéressant. Vagabond, c'est pas mal en vérité. Alors, tu trouves une couche pourrave et... Vagabond, c'est pas mal. Je crois que je vais apprendre... J'hésite entre éclaireur et vagabond. Non, mais premier soin, je l'ai déjà. J'ai déjà premier soin. Ouais, après, il faut level up pour les autres. Ah, on va prendre vagabond, tiens. Je peux pas prendre d'autres. Combat. Je pense. Je peux rien apprendre là par contre. Et... Non, je peux rien apprendre dans le reste. Ah si, en force. Forteresse. Blocage réussi vous coûte 30, moins 30% d'endurance. Faux soyeur.
Transporter une dépouille encore inconscient ne réduit pas votre endurance. Oh putain. On va prendre forteresse. Éloquence. Alors, qu'est-ce qu'on a en éloquence? Quand un commerçant perd patience au cours de négociation, il vous reste une chance de faire une offre. Ah, d'accord. Haute lignée, plus 3 en éloquence quand vous discutez avec des personnes nobles et riches. Impossible à associer avec l'atout basse classe. Quand vous discutez avec des roturiers, impossible à associer avec l'atout haute lignée. Ah, le choix terrible. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je suis plus éloquent quand je parle à des pécores ou est-ce que je suis plus éloquent quand je parle à des riches? Parce que je vais potentiellement croiser plus de pécores que de riches dans ce monde. Ça me paraît assez logique. Et donc, il y a des chances que ce soit plus utile quand je parle à des genre des gardes. Genre, je parle aux gardes, je leur dis « Eh mec, on se met d'accord, tranquillou, et hop là. » Alors que les riches, par contre, je peux être en mode « Oui, je suis habillé comme Robin des Bois, mais voyez-vous, moi aussi, j'ai de l'éducation. » Je pense riche, c'est bien, mais... Offre ferme. On va prendre un bonus avec les riches. Hop. On va parler bien aux riches. On parle bien aux riches. Je pense que ça nous sera utile. Très bien. Et je pense que c'est tout. Je crois que j'ai tout levé là. Ah, c'est con, j'aurais dû parler à l'autre maintenant. Ah, c'est bête. Ouais, exemple de la porte, c'est le riche qui décide. Mais ce sera pas toujours comme ça, du coup. Où est l'autre? Il est où le... Ah! Merde. Toc, toc! S'il te plaît, je peux te parler? Y'a pas moyen de faire du bruit ou quelque chose? Non, pas les crédits. Ah. Bonjour. Hey, watch it. Mais I'll remember you. Mais non, mais reviens, je veux te parler. Il veut pas me parler. Mais comment alors? Bon, je vais revoir le gars. Je suis libre! Oh putain, je suis libre! Je crois que je me suis cassé le pied par contre. Oh, putain. Merde, je me suis cassé le pied! Non, attendez. Je vais charger la game. Attendez. Attendez, je me suis cassé le pied. J'ai pas envie de me. Ouais, j'avoue, avec le cheval, c'est lourd. Ouais, mais le cheval, je vais pas réussir à le faire tomber. Jamais il pourra descendre le cheval. Attendez. Ah, attendez déjà. Je m'en fasse mon level up. On avait pris vagabond. Pourquoi je peux plus prendre l'éloquence? Je peux plus prendre mon bonus d'éloquence, c'est chelou ça. Bon. Good health to you. I need to. My mother and father. I'm sorry, my. All right, I'll see. I need to. You hear it? I need to. You hear again, boy? Attends. C'est con, il y avait une autre option de dialogue et je l'ai plus. Bon, pas. Mon cheval est... Ah, peut-être que je peux... Ah, et là, du coup, je peux level up mon éloquence. Voilà. On va parler à haute lignée. Hop. My respects to you. Pac. Non, j'avais déjà parlé à lui. Bon, c'est pas grave. Du coup... Ouais, mais il me faut un cheval, hein. Il me faut vraiment un cheval, hein. C'est ça le problème. Que mon cheval, là, je doute qu'il puisse descendre ça facilement.
J'ai entendu un mec dire « Y'a un prisonnier qui s'échappe !» Détends-toi. Par contre, peut-être que maintenant... Non mais c'est mort, ils peuvent pas avoir donné déjà l'alerte. Faut que je trouve un cheval du coup. Bon, j'ai réussi à m'enfuir du château. Il faut que je trouve un cheval. Non! Putain, mais non. Got you. Jesus, you gave me the run around. Let me go for Christ's sake. I have to bury my parents. Oui. You're going nowhere. Except back inside. Mais non! Ah! Éloquence! If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over unhallowed ground. And I'm stuck here, a stone's throw away. Right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. Ah. I'll deal with the others. You just get out of here, on the double. Nice! Kurwa! Kurwa! Les Polonais? Come here, lads! Never mind that nobody! Oui, je suis un nobody. Il me faut un cheval. Il me faut un cheval, il me faut une monture, vite. Monture, est-ce qu'il y a une monture quelque part? Tiens, toi, tu vas me servir de monture. Tu peux pas? Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas enfourcher un sanglier comme un orque. Il y a pas de chevaux dans ce patelin? Gîte. Mais je m'en fous du gîte. Il y a pas des chevaux qui sont près du gîte? Bonjour. Non! Mais putain, mais foutez-moi la paix! Jesus, you gave me the runaround. Il y a tous les gardes. Mais foutez-moi la paix, je vais me casser! Except... Oh ouais, mais non. Je voudrais de l'argent. How much? How much? La réponse de gros dalleux. Combien? Ah oui. Je te donne 2,20€. Not likely. Mais putain! Except oh. Back inside. But I have to. All right, take me. Okay, j'ai trouvé une autre solution. Good boy, good boy. J'ai trouvé une autre solution. J'ai trouvé une autre solution. Ok, je suis de retour au château. Donc, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je comprends rien. On en est où là? Il est 8h. 8h du matin. Il est 8h du matin. On peut pas dormir aussi longtemps. C'est terrible. Comment je fais pour sortir? Ah, peut-être que la... En effet, parle à la meuf qui t'a apporté à manger. Peut-être que la bourgeoise va me comprendre parce qu'elle, elle avait de la compassion. Elle avait l'air de m'apprécier. Donc peut-être que j'ai une chance si je demande à la MILF. Attends, elle est où? Pardon. Pas du vin. Ça, c'est très bien, ça. Déjà un petit quart de canard rôti. Je veux dire. Je repue déjà. Et un peu de vin. Ah mais je peux pas boire du vin. Attendez, j'ai de la place. Mais laisse-moi passer, hey bougresse. What you doing? Merci. Bonjour. Ah, non. Alors, où est... Ah, elle est là, la noble. Bonjour. Non. Oh non, je peux pas lui parler. Watch where you're going. Et tu me reconnais pas? Comment je vais faire? Je ne sais point quoi faire, mesdames. Ah, j'ai cru que c'était une trappe. Y a pas une sortie dans ce foutu château. Laissez-moi sortir, quoi. Super emmerdant. Oh, attends. Mais y a plus de garde, là. Oh là là. Y avait plus de garde pour me surveiller. Attendez. On va sortir la carte rapidement. Où doit-on aller? Faut qu'on aille là-bas. C'est tellement loin. En effet, il nous faut un... Oui, c'est au nord-ouest. Écoutez, vous savez quoi? Putain, je suis bloqué, quoi. Ok, il y a un garde qui arrive, je crois. Non, c'est bon.
Allez, le petit sprint. On court très vite. On court très très vite. Pas très vite. Vite. Plein, il y a des gardes partout, c'est terrible. Il ne me voit pas. Oh putain, il y a deux gardes. Laissez-moi. Je veux pas faire un voyage rapide. Je trouve que ça casse l'immersion. J'ai envie de tester, de trouver un cheval. Moi, j'ai envie de voir la nature autour, là. Je suis pas en mode tryhard à faire des voyages rapides. Mais ce garde, il me gave. Peut-être que... Ha ! Excuse-moi. Ha ! C'est bon. Là, j'ai failli avoir une syncope. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Bon. Oh là là, on a bientôt la liberté, mesdames et messieurs. Je suis obligé de marcher dans le cours d'eau. La liberté à nous bientôt. C'est joli, n'empêche. C'est joli, mais je dirais que c'est un peu inégal aussi. Genre, des fois, c'est très beau. Et des fois, c'est vraiment pas terrible. La liberté. Ok, il faut qu'on aille par là. Con que j'ai pas pu avoir mon cheval. Mais j'en trouverai un, j'en suis sûr. Moi, je m'en fous, je vais enterrer mes parents. Y'a pas un Uber dans le coin? Au pire. J'ai entendu des chiens. Ça m'inquiète. Y'a des loups dans le... Y'a des loups dans le bois de mon mirail. Bon, l'idée, je pense, c'est d'essayer de trouver un cheval. Un cheval. Alors, on est paumé en pleine campagne. Là. Je vais voir si on peut augmenter les... Je vais tester ça. Wow. Ah, c'est mieux comme ça. En plus, je perds pas en framerate. Ah, c'est vachement joli quand même. Hein. C'est pas des chevaux, ça. C'est des vaches. Je peux pas ride des vaches. Bon, je peux pas ride des vaches. Ça aurait été stylé quand même. Le premier chevalier à vache. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Looks like they've already gone. Ça m'a TP automatiquement? Je suis tout tapé à pied en fait. C'est un jeu solo. Ils sont plus là ? Wouah. Du coup, il n'y a pas moyen de récupérer des armures et tout, des trucs comme ça. Oui, j'ai compris. J'ai pas récupéré de cheval. Mais je suis d'accord avec vous, les musiques font très Star Wars. Je suis d'accord, Mana. Ça me rappelle, depuis tout à l'heure, j'entends des choses qui me rappellent énormément Star Wars. Oh, je peux piller les corps, trop bien.
Il avait de l'argent, lui. Oh, je vais être riche. J'ai pas de race de faire ça. Ah, ils avaient de l'argent. Du coup, je récupère de l'argent. Je vais être riche. La non-race d'un homme. Je l'ai déjà pillé, lui. Il avait une betterave et des pommes sur lui, lui, quand même. Mais quelque chose me dit que certains sont pourris. Il avait un bretzel, lui. Je me ferais bien un petit bretzel sur le charnier, là. Je suis repu. Oh là là, ils avaient plein de bretzel. C'est bien des Allemands. Hein. Champignons séchés. Carottes. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. On a pillé assez de corps. La vache, quoi. Mais il est pourri, ce pain, non ? Il y a du pain noir, là. Ah non. Il a l'air normal. Ok. Bon. C'est la mort, ouais. Ouais, hein, c'est pas mal, les musiques, maintenant. Hein. Je trouve. Hein. Et il y a un mec, là. Ah non, mais... Non mais, hé hey. Hey. Hé. Tu me laisses tranquille. Voilà, dégage. Hé, hey, c'est fini pour toi. Oh putain. Comme je te l'ai exécuté. Bon. Gilet de cuir. Merde. J'ai complètement mis à poil. Ah, le bandit, ça dégage. J'ai mon premier kill. Mon premier kill sur un bandit. Vous êtes fiers de moi, le chat? Vous avez vu ça? L'aspect éloquence qui, quand même, sort les coronesses quand il le faut. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je l'ai même mis nu. Alors, du coup, maintenant, j'ai une flèche de piètre qualité qui avait été plantée dans mes fesses. C'est quoi ça? Ah, elles sont souillées. Alors, quelle est la différence entre les chaussures et mes vieilles bottes? Bruit. Ah la vache, toutes les stats qu'il y a, quoi. Solidité, charisme, état, poids, prix. C'est fou, quoi. C'est tellement détaillé. Poids. Ah, mes vieilles bottes sont en meilleur état. Ah ouais, elles sont pourries, ces chaussures en semelle, là. Mais... elles font moins de bruit. Ou alors, est-ce que c'est un indice de bruit? Ok, donc si j'ai besoin de m'infiltrer quelque part, je les mettrai. Ok. Oh, je suis tellement plus stylé comme ça. Hop là. Ah, ça c'est bien ça. Gilet en cuir, c'est cool. Pourpoint léger. Ah, mais je peux pas avoir ma chemise verte. Ah ouais, non, mais ma chemise verte est mieux. Ah, quoi que non. Ah non, j'ai une meilleure défense avec ça. Mais elle est en mauvais état. Pardon. Ah oui, je porte trop de... Oh, pardon. Je porte trop de choses. Faut que je droppe des trucs. Je vais lâcher ça. Je vais... En vérité, attendez. J'ai plus de charisme avec ça. On va déposer ça. Ah, j'ai quand même trop de choses sur moi là. Trop de bretzel. Ouais, mais là faut que je dépose des trucs. Oh, j'ai trop de carottes. C'est vrai que j'ai 45 pommes environ. Ouais, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'étais un peu lourd. Mais... trop de trucs, quoi.
Bon, je vais virer ça là. Ah, il y a du sang dessus. Merde. Garde les bretzels, pourquoi ? Le menu est pas dégueulasse, le menu il est fait pour rester dans le style médiéval. Moi je le trouve pas immonde le menu. Il est efficace. Enfin, moi il me dérange pas honnêtement. Un peu de fromage, non ? Je suis repu. Ah par contre, j'ai pas laissé tomber le fromage, hein. C'est trop bon le fromage. Je vais dropper d'autres carottes, je pense. Voilà. Ouais, tout le bordel que j'ai laissé par terre. Ok. Il nous rappelle Oblivion aussi, ouais. Le... Je vais ranger mon épée. Très bien. Poursuivons. Ouais, du coup, j'ai un peu moins d'endurance quand je suis repu. J'ai le ventre trop lourd. Je vais arrêter de looter de la nourriture, ça sert à rien. Oh, le nombre de morts, quoi. Ah, lui, il a peut-être de l'argent. Non. Faut que je loote. S'ils ont de l'argent, faut que je le prenne. Ah, voilà. Ça, c'est parfait. Durée fort, ça ira, par contre. J'ai tout ce qui... Ah, il a une hache. Ah, je suis trop lourd, maintenant. Est-ce que si je l'équipe, je suis moins lourd ? Ok. Galère. Hein. Ouais, c'est bon. Petit poussé. T'aurais pas oublié de chercher tes parents ? Non, non. Mais je vais vers l'objectif, là. Du pain, je m'en fous. Moi, je veux des shillings. Ah oui, c'est le mec qui m'a vendu le charbon. Je peux pas récupérer du charbon, c'est le mec, il est complètement out du RP. Hey! No, leave me be. Don't kill me. Attends, toi. Attendez! Mon pavé qui passe à l'eau. Merde, j'ai pas vu ton message, désolé. Reviens là. Attends, je transpire la graisse là, j'ai trop mangé. Merci de ces règles pour l'abonnement de 11 mois. Merci, bon. Reviens. J'aurais pas dû bouffer autant. C'est bon, je le rattrape. Je vais avoir un état, mais je vais le rattraper. Reviens. Eh. Plaqué. Ah, c'est stylé, ça. Ah, il s'est rendu direct. Nice. C'est un bandit. Le relâcher sans condition, le laisser partir désarmé, le lui faire payer sa liberté, continuer le combat. Oh, tiens. I'll let you go, but it'll cost you. Very well. Oh, il m'a payé 9 pièces. Allez, va-t'en. Ouais, je me suis fait 9 pièces. Gratos comme ça. Vous vous rendez compte? Avec ça, je peux m'acheter au moins, pouf, 10 tonneaux de bière auprès de Bianca. Enfin, si elle était encore vivante.
On va aller par là. Par contre, c'est vachement éloigné, quoi. Je suis trempé. J'ai inventé le racket. Eh, il y avait écrit que c'était un bandit. Il méritait qu'on le raquette. Quoi ça? C'est un bandit ça. C'est quoi ces pécores là? Bon bah vas-y, salut. Putain mais c'est... ils sont nuls les bandits dans la région quoi. Bon alors t'avais quoi? Bandage, ça peut m'être utile. Non merde, je voulais pas tout prendre. Ah non, je suis trop lourd. Hop. Botillon. Les botillons sont potentiellement mieux que mes trucs pourris, non? Ouais, allez. Non mais ils sont carrément mieux. Allez hop, botillon. On a upgrade. On a upgrade. Complètement upgrade. Ça c'est quoi? Alors. Non, c'est pourri ça. Gilet de cuir. Pourri. Coiffe noire rembourrée. Allez hein. Why not hein. Arme. Putain, mais par contre. En fait, cette hache, elle nous sert à rien. On aurait pu la vendre. J'aurais bien aimé vendre des trucs, mais elle nous sert à rien. Merci Bart pour le abonnement de 18 mois. Merci, bon. Et bisous. Yeah. Bane. You didn't run like me. The guy with a sword in his hand. Il a été looté, lui. Il a une épée. Et son. Ça, c'est cool, ça. Bon, où sont les parents? Juste par les salles, je vais te dire. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon me like me. Il me semble qu'ils sont morts ici, mes parents. Ouais. Why did he do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother.
Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. De l'argent. bon, pas dû faire ça. Il faut que je trouve une pelle. J'ai pas de pelle. Hein. Pas de race. Non, écoutez, on est dans un monde où on n'a pas de thunes. Ils en auront plus besoin, mes parents. Ils auraient aimé que je laisse cet argent. Bon, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que je dois faire, là? Je sais même plus ce que je dois faire. Trouver une pelle. Non, mais je trouve une pelle où, moi? Trouver une pelle. Un petit peso en passant. Écoutez, où est le problème? Sans déconner. Il me faut une pelle, quoi. Chez le marchand de pelle, merci à vous. Un grand merci pour l'aide. Bon, à mon avis, je trouverai pas de pelle ici. Enfin. Concrètement, j'ai hérité de leur loot. Exactement. S'il y a bien deux corps que je peux looter, c'est le leur. J'ai le forgeon. Oh putain, c'est Bianca ça. Oh. Oh, elle a du stuff. Alors, quelqu'un a une pelle? Non, je trouverai pas une pelle à un étage, c'est débile de stocker une pelle ici. Une pelle ici? Une pelle, c'est quand même le truc. Je demande pas une hallebarde là, je cherche une pelle. Parlant de pelle, on y voit qu'on va travailler une pelle là-dedans. Une pelle ? Fourche. Une fourche ? Je veux pas une fourche, je veux une pelle. Une faucille, ça. Non, j'ai... Enfin, c'est pas une faucille, c'est une faux. Pas de pelle ici. Chez mon père le forgeron, une pelle? Ouais, c'est possible. Je sais même plus où il habite. Dans le placard à pelle. Merci les amis, vous êtes d'une grande aide. Par contre, j'ai trop de stuff encore une fois. Putain, c'est lourd ça! Et son. J'ai pas envie de lâcher ça parce que... La batte que j'ai offerte à ma chérie Bianca. Bon bah je la remets hein. Je suis encore repu quoi. Bon, faut que je drop du stuff là. J'ai pas le choix. C'est horrible. Ah, le chou. Voilà. Oh putain, l'avalanche de chou. C'est bon. Alors. Je garde la flèche parce que je compte devenir archer plus tard. Et donc, je veux conserver cette flèche. Ça me fera une munition. On va dire, en fait, je compte me battre avec les outils les plus poussis de la terre.
C'est-à-dire lance, arc et éloquence. Voilà. Donc, je sais pas si je pourrais me battre à la lance dans ce jeu, mais je crois que oui. Il me semble que tout est possible, tout est réalisable. C'est un petit peu le jeu de la vie. Je devrais le savoir s'il y a une pelle ici. Non, il n'y aura pas de pelle là, à mon avis. Ils n'ont pas brûlé notre maison. C'est plutôt courtois de leur part. Une hache que je ne peux pas prendre. This is a good place. You're gonna like it here. C'est là que... peut-être à l'intérieur. Ah, ils ont tout foutu en l'air. Putain, la vache, quoi. Vraiment, pas de race, les mecs. C'est un balai. C'est une faux. Où est-ce qu'il y a une pelle dans ce foutu village? C'est incroyable. Ah, dans le jardin peut-être. Non? Rochette le coffre. Ouais, je pense pas qu'il y ait la pelle dans le coffre, hein. Ça m'étonnerait fortement. Je trouve ça étrange que la pelle soit pas en évidence. Quelqu'un sait où est la pelle? Sinon tu prends tes mains. Près de la forge? Bah oui, près de la forge, je suis d'accord, mais elle est brûlée la forge. Elle est full défoncée la forge, j'ai pas vu de pelle. Le fossoyeur. En effet, il va y avoir une pelle ici, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de pelle. Oh là là, père. Va voir au château, va dans le village, tu fais que d'un côté, loot un cadavre de vendeur de pelle. Et j'avoue que le fossoyeur, ce serait une bonne piste. Parce que... Regarde la map. Ah oui, d'accord. Ça indique qu'ici, il y a une pelle. J'ai entendu un bruit, là. Vous êtes d'accord? Un chien? J'ai entendu un chien. À mon avis, il y a une pelle autour de ce bâtiment. C'est probablement la quête la plus difficile que j'ai faite dans le jeu pour l'instant. Trouver une foutue pelle. Et je suis venu ici pourtant. J'entends un chien aboyer. En fait, la carte me montre toute la zone du village. Ouais. Ok. Très bon trip. Merci le port serrant le jour pour les 2€ pour... Toutes les pelles sont brûlées, Alpha. La quête principale de ce jeu est de retrouver une pelle pour enterrer tes parents. 120 heures de durée de vie. Merci. Merci Fenderlax, Fenderalx, pardon, pour l'abonnement. Enfin, bienvenue à toi, l'ami. J'ai toujours eu du mal avec les cadavres de chevaux. Quand j'étais plus petit, on avait des doubles poneys et une fois on avait dû enterrer un bébé mort-né. Et ça, c'est pas fun. Clairement pas fun.
Ça m'avait marqué. Y'a un mec là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose à voir ici. Là. Ah bah voilà. C'est le mec avec qu'on a cogné au début. Get away, you beast. What's going on? Bishak. What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. Il a bouffé le boucher, le chien. Cette tête de cul que j'ai. Tu détrousses les cadavres, c'est mal. To me, that dog knows exactly why he's going for you. You're in dead men's pockets. Am I? Well, it looks like I'm not the only one. How is your looting more honorable than mine? Je sais pas de quoi tu parles. M'insulte pas. You think I'm as bad as you? How dare you? Don't like the truth, do you? Well, if we can't talk things over, come on. Mais toi, par contre, je t'explique. Si tu me prends la tête alors que tout le village vient de mourir, je te tue. Non mais. Allez, viens là, viens là. Dégage. Voilà. Voilà, bonne bête. Alors du coup, il avait quoi? Ah, il avait des trucs. Nice. Salut le chien, salut. Et puis je prends l'appel. Allez, à plus tard. Ah, les choses sont tellement plus simples dès qu'on a une arme. Bon, back to business. Il y avait du saucisson. Merde, j'ai oublié le saucisson. J'avoue que le saucisson, c'est important. Le saucisson n'échappera pas à Jacouille Caradoc. Le chien, voilà. Viande, c'est chiant en plus. Un peu de sel, voilà, pour aller jouer en ranked après. Parfait. Non, je tue pas le chien. Alors là, par contre, tuer le chien. Alors moi, il n'y a aucun problème à massacrer des gens, mais tuer des chiens, jamais. À part s'ils m'attaquent et que j'ai pas le choix. Mais moi, tuer un chien qui est sans défense et qui est tranquillement dans son coin, là, jamais. Ah ça, je déteste quand ils butent des chiens dans les films. Ça m'énerve. J'ai une certaine sensibilité. Quand même. Alors, faut que je les... Non, faut que j'aille d'abord creuser le trou. Non, à manger au chien. Ah non, par contre, le saucisson il est à moi, ça va là. Il est pour moi le saucisson. Ok. Je pense que c'est ici hein, qu'on va creuser la tombe. Alors. Elle est où cette pelle? On sert comment? Ah par contre si je peux... Si je peux apprivoiser le chien et pour qu'il me suive après, ça, je suis chaud. Ah ouais! Ah oh, faut que ce soit mon pote lui. Ah oui, tu vas venir avec moi, toi. On va être potes. Ooh.
So, let's get to it. Ah, je me suis fait un pote. J'ai un chien. Nice. J'adore les chiens. Il me manque mon petit doudou là d'ailleurs. Merci toi le péon pour le réabonnement de 3 mois. Merci bon. Et là il est, ça passe tellement vite ce jeu, il est vraiment cool. J'aime beaucoup. Damn it all. Non, dites pas qu'il va mourir le chien. Ne dites pas ça. J'ai de l'espoir pour ce chien. You need some help? Je vais l'appeler Locke. Oh merde. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Spishek? Who do you think we are? Oh merde. Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it anymore. Listen here, boy. Trial by combat. You hand over the sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion. Fuck, je suis tout seul. J'aime pas quand ils sont plusieurs. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah, il me laisse un V1. Merde, on m'appelle. Allez, prends. Non, oh, what? Ah non, 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 je veux une autre chance. Non, 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 non. Il m'a tout shot. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be. Mais aide-moi le chien. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Fuck. Je sais pas si c'est scripté que je perde. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fucker! Ooh. Ah oui! Je l'ai sauvé! Du coup, elle vient m'aider! Oh, c'est parfait! The games are over. Oui! Thérèse! Ça fait du bien. On a eu raison d'être courageux et de sauver Thérèse du viol tout à l'heure. Toujours, toujours faire ça. Deep Silver Presence. Ah, c'est maintenant. Ah, c'était l'intro du jeu. On a pris un peu. Je pense que c'était normal que je me fasse battre. Peut-être que tu peux battre le mec, mais à mon avis, c'est normal, normal de se faire battre.
Franchement, c'est vachement cool. Je passe un super bon moment depuis tout à l'heure. C'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est juste, j'ai pas encore bien compris les combats, comment bien gérer l'escrime. Mais genre, on sent qu'on est tout petit dans ce monde, qu'on est une petite merde, une petite crotte qui commence de rien et qu'on va évoluer, etc. C'est vachement sympa. Je pense que je vais le continuer en stream, celui-là. Les musiques sont bien. Le voice acting est, je dirais, un peu inégal, mais généralement plutôt pas mal. Le perso principal a une gueule d'endive, mais les autres personnages autour sont cool. Donc ça vient compenser. Ça ressemble à du Witcher en discount. Ah, après, c'est un studio indépendant, les potes. Hein, et il y a des... On va dire qu'il y a des principes qui sont pas du tout présents dans Witcher, à savoir la persistance permanente de... Par exemple, si on te donne rendez-vous à une certaine heure et que tu viens pas, ben, rip ta petite quête, quoi. Il y a plein de trucs qui font... On va dire qu'ils sont beaucoup plus axés sur l'immersion et le réalisme que The Witcher. Et pour le coup, il n'y a pas du tout d'heroic fantasy. Là, c'est du même Moyen-Âge historique. J'ai pris un sale coup. Aïe. Oh wow. Attendez, il manque une musique. C'est bon. Il est où le shotgun? Il est où le shotgun? On va... Oh non, non, je rigole. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, c'est badon. Meurs. Aïe. Meurs. Meurs. Merde. J'aurais pas dû la taper. Où est-ce que je vais? Faut que j'aille là. Wow. Alors, point de voyage rapide, j'ai pas envie d'y retourner là où j'étais, ça ira, merci. Donc j'ai un deuxième mec que je veux buter. Après lui. Les deux gars que je veux tuer sont des Calvico, coïncidence, je ne pense pas. Exactement, Yob. Abat tous les chauves. Mon nouveau motto dans ce jeu, c'est de tuer tous les chauves que je croise. Ah oui, t'es mieux que Bianca. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Je sens qu'ils ont passé plus de temps sur la modélisation du visage de Thérèse que de Bianca, parce que Thérèse allait être plus importante dans l'histoire que Bianca. Where am I? In Scalitz?
Il a tellement les yeux morts, le héros. C'est ça, le vrai problème, c'est ça. Le personnage principal, il a les yeux vides. C'est terrible. I found you in Scalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Plusieurs jours de démence plus tard. Ah, quand même. Ah, il m'a bien abîmé, le mec. You're awake. Good morning. Je suis exactement pareil qu'avant. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. Ça, c'est le feeling quand tu ressors de 4 jours de Cast Overwatch League de 1h à 7h du matin. Comment as-tu trouvé que vous êtes chez... Je suis fatigué. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Vous avez découvert Meunier. Good morning to you. How's the invalid today? Fatigué. C'est le mec qui répond ça à chaque fois. They lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Où suis-je? This is your uncle's house. We're in Retay Mill. My uncle's J'espère qu'elle m'a pas volé mon saucisson. He took me in, and I talked him into taking care of you too. Maintenant. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanish of Lipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. Mais si, je suis très éloquent. Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist... But you need to speak to my uncle first. You've been in your sick bed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you and for medicine. That's Holy a good shit, deal of coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Le bon larron. Je vous dois la vie, madame. Vous voulez tous que j'appuie sur ce bouton, hein? Vous voulez tous que j'essaye de gérer la minette, comme disent les jeunes. Mais j'ai des choses à faire. But right now, I have more important things to do. That's all you have to say? After everything we've done for you? Ah, j'avoue que j'ai peut-être été un bâtard. You see fit. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Ok. Oh, fuck. J'ai faim. Très déçu de ton comportement. Écoute, Trauma. La chevalerie n'attend pas. Oh, une galette sucrée. Oh, bah, ouais, en plus, il y en a plein. Ah, elles sont bonnes, hein. Alors, attendez. Petit déjeuner. Attendez, déjà. Ah, il y a tout mon stuff là-dedans. Placé dans le réception. Bon, il faut que je m'habille. On va remettre ma bague. Je la donnerai à Thérèse plus tard pour m'attirer ses faveurs. On va remettre notre cagoule. Notre écharpe rouge, évidemment, très important. Notre gilet en cuir aussi. Notre pourpoint. Voilà, on a tout remis. Une arme. Ah, j'ai plus l'arme de mon père. Heureusement que j'ai récupéré l'épée là. Les sons. Jadis, sa fierté de son propriétaire n'est plus qu'une vieille relique fragile. Merde. Oh putain. Ah ouais, c'est une épée de merde. C'est clairement une épée de merde. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors, le saucisson sec, faut le garder pour une bonne occasion. On va se prendre un petit bretzel. On va se prendre un petit fromage. Fromage le matin, toujours important.
petite tartine de fromage, petite tartine avec du beurre salé et un peu de maroilles. On est sur le bon petit déj du Nordique. avec un quart de canard rôti, mais pas trop, faut pas abuser. Un peu de vinasse, voilà, et une pomme. Et une autre pomme. Et une autre pomme. Et une galette sucrée. Ah, on peut pas manger plus. Ça vient, on est bon. Oula. Oula, du mal à monter. Est-ce qu'il y a des choses à voler, à emprunter dans cette maison? Apparemment non. Crochetage, on va éviter de crocheter. Ah, tu es un germain, non un nordique, tu démarres au hareng et au pâté normalement. Ah, au hareng, je dois vous dire que j'ai un peu de mal. Mais j'aurais dû dormir là en vérité. Pourquoi ils m'ont mis dans un... Ah non mais c'est des lits pourris partout, tout va bien. Oh la vache, t'empêches les lits à l'époque. Ah putain. Oh le confort. Mais moi je dors très bien dans ces lits là parce que je suis un vagabond. C'est mon trait. Ah d'ailleurs, faudrait que je level up des trucs. Ah, je suis full pris dans le jeu quoi. Je sens que je pourrais y jouer 12 heures de suite quoi. Ah, j'ai pas de truc à débloquer. Ok. Alors. Ah, il fait beau. Je suis un peu bourré, mais ça devrait m'aider pour gagner les faveurs de la belle Thérèse. Donc je m'excuse, je lui ai parlé comme un connard juste avant. Attendez. Elle est là. Thérèse ? Je suis complètement con, je viens de là. Ah ! C'est qui lui ? Oh putain, il est chauve. Oh putain. Je peux pas. J'ai tellement une tête de cul avec cet accoutrement. Henri, merci d'avoir pris soin de moi. Peux-tu me le dire ? Peux-tu me dire ? Can you tell me... That's all. J'adore toujours ces dialogues. Henri, merci d'avoir pris soin de moi. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. Oui, bah je l'ai sauvé. Talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. Ah ouais, il est vénère. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Allez, fais péter. Je ne peux pas plutôt payer? Ouais, honnêtement, vas-y. Look, couldn't I just pay you instead? Pas le fait. I'd say you're a fucking ungrateful pup. But if you think you got money to throw around, so be it. You'll pay me the cost and for a whole fortnight of my valuable time. Combien? Ah ouais, 50. Tu ne t'as rien de moi. J'ai un mec qui fout trop la merde avec son beau-père. J'ai pas assez d'argent. Désolé. Then come back when you have. Oui. Debts must be paid. Or you can still. Bon, on va faire ta mission, le vieux. Calme-toi. Arrête, t'es lourd. Raconte-moi. Tell me about it. A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Le truc est hyper shady. While you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? Non, pas du tout. No honorable man should touch them. That's the executioner's job. Ouais, did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Merci, Askatchuan, pour le réabonnement de 5 mois. Merci à toi, bon. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen,
It's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse? Take a ring. Il y a sa main qui a fait un mouvement tellement improbable. Non, il s'est tapé le torse et le front en mode pendant qu'il parlait, c'était absolument pas logique. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. Je suis d'accord avec lui. It's a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Il est vraiment boulanger, oui. Il est meunier. Enfin, il est pas boulanger. Lui, il fait la graine, il fait la farine, voilà. Et ensuite, le boulanger, il transforme la farine. Oui, j'accepte, il n'y a pas de problème. Of the devil himself. Non, mais ça va, ouh. C'est quoi cette phrase? There's a shovel. What's your mouth, kid? If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. Ah, t'es boulanger, Dragonus. I'll come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Je crois que j'ai de la viande. Je dois avoir un peu de canard qui traîne dans mes poches. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je dois aller où, donc, obtenir une pelle? Non, mais non, mais non! Faut que j'obtienne une pelle encore! Non! Ah, pas ça! Non! Déjà, pendant une heure, j'ai cherché une pelle. Par ici. Attendez. Est-ce que je peux booster les graphismes un peu? Et là, crash. Ouais, ça tourne bien aussi comme ça. Et c'est encore plus joli. Ah, une pelle! Oh là là, c'était beaucoup plus facile cette fois. Très bien. Où dois-je aller? Récupérer l'épée de votre père. Non, c'est le réveil. Non. Merde. Ah, c'est une secondaire. Le bon larron. Rembourser le traitement du meunier. Récupérer la bague du défunt. Ah oui, donc je peux aller au point B, là-bas. Ah, c'est vrai que quand tu mets les graphismes en haut, le jeu est quand même très beau. C'est vachement agréable à regarder. On se sent vraiment perdu dans cet univers, quoi. C'est super immersif. En fait, pas juste visuellement. Putain, je suis un peu bourré encore, du coup j'ai la caméra qui tangue. C'est pas juste les graphismes, c'est aussi le son, le sound design. Je pense que les gars, on est parti pour se faire ce jeu en stream. Pas faim. Il y a un chien, je crois, là-bas. Ça m'a mis vraiment bourré, en fait, ce vin-là. Faut que je traverse la forêt. Ah, j'ai pas les compétences pour utiliser cet équipement, sérieusement. Bon, on va traverser la forêt, hein. C'est pas bien grave, hein. Il n'y aura pas de loup ou d'ours. Ah, il y a un petit chemin. Le même niveau du jeu que toi et j'adore ce jeu et c'est très immersif. Ah non, mais j'aime beaucoup.
Quand, j'ai vu les annonces, j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu quelques gameplays d'un youtubeur aussi. Et ça m'a donné vachement envie. J'en avais entendu parler via Star Citizen de ce jeu. Les devs sont potes. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Bonjour. Ah, c'est le bourreau. J'essaie de le faire sortir de chez lui. Avec mon talent d'éloquence. Miller Peshak sent me. He's very sorry, but by mistake, he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That rogue, how much is it? Nice. Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Ouais, ouais, c'est ça, mais vas-y. Oui, les chiens, calmez-vous. Attendez. Comment je leur donne de la nourriture? Viande séchée. Déposée? C'est ça? Oh là, la bonne viande séchée quand même. Bébé! Bah prends la viande! J'ai un talent avec les animaux. Dépose la viande. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Ouh, il y a de la viande ici. Allez hop, laisse-moi faire mon office. Attends, faut que j'aille où? Merde, je sais pas ce que je dois faire du coup. Putain, mais je suis con, moi. Récupérer la bague du défunt. Ah, attendez. Sous la potence. Elle est où la potence? Merde. Elle est où la potence? Ils ont déjà bouffé la viande? Mais c'est des morphos, mais des morphales. Non, j'ai là l'appel. Elle a l'air intéressante, cette pile de bois. Oui, salut. Merde, je suis perdu, moi. Je dois aller où? Ah, la potence, elle est là-bas. Ok. En fait, il y a plein de chiens. Je pense pas, c'est chiant. On va faire le tour. Un morphal des morphos, exactement. Ah, les roues. Non, ça me rappelle Berserk, ça. Ok, on y est. Chien, ils vont me foutre la paix du coup. Ok, sous la potence, il disait. Est-ce que je peux creuser? Ah, Valérienne. Ah, je viens de cueillir des plantes. Ah, tu peux cueillir des plantes. Tu peux cueillir des plantes, c'est intéressant ça, je savais pas que tu pouvais. C'est pas ça là? Ah, c'est ça. Oh la vache. Grave digger. C'est pas glauque du tout là ce que je suis en train de faire. Christ, wound. Nothing on the left hand. The right? Shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. On peut pas remettre la terre, là? Si. Aïe! Ok, bon. Bah, écoutez, on va retourner voir l'autre, là. Par contre, le bourreau, il va me dire what the fuck. Il va me creuser, il va me dire tu m'as dit des conneries toi, t'es bourré. Oula. Oula. Oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un cadavre ici. De l'amanite tu mouches. Ça existe vraiment ce champignon, ça me dit quelque chose, non? Ah bah c'est un charnier, pourquoi je suis là-dedans hein?
Oui, ça existe, hein. On est bien d'accord. Ouais, c'est vénéneux. Oh, ah, mais c'est trop bien. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire un truc. Ah, ouf, c'est pas dans nourriture. J'ai vu qu'on pouvait faire un truc qui était de mettre des trucs toxiques dans des marmites pour pouvoir empoisonner des camps. Vous savez quoi, je vais en cueillir d'autres, on sait jamais. Ça pourrait m'être utile plus tard si j'ai besoin d'empoisonner une garnison de ces salopards de soldats qui ont tué mes parents. Il y avait d'autres sépultures à creuser, c'est vrai? Je les ai pas vues. Non, mais je crois que j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Non, j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, écoutez, j'ai deux amanites, ça devrait suffire. Ça suffira. Je vais éviter de me casser une jambe, par contre, en descendant. Ce serait pas agréable. Ouais, si je croise des chauves, je leur mettrai des amanites dans leur soupe. Je pense que c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est les possibilités. Énormément de possibilités. Allez hop. Récupérer d'autres. C'est que t'as énormément de possibilités et tu peux aborder plein de choses de plein de manières différentes. Et ça, c'est, je dirais, c'est la vraie force du jeu. Que t'es vraiment, vraiment libre. Découvert raté. Le chien. Par contre, il n'y a qu'une seule race de chiens. Comment ça combat? Ça disait que j'étais en combat. Il y a plein de points d'interrogation. Oui, il y a un garde sur la map, what the fuck. C'est beau. Ah, j'aurais dû augmenter les graphismes plus tôt dans le stream. C'est vraiment joli. Hein. Je me suis fait mal au pied. Merde. Je me suis niqué le pied. Ah, le chien défendait le terrain. C'est pour ça que j'étais en combat. C'est possible. C'est possible. C'est pas grave. Je me suis niqué les deux pieds. J'ai les deux pieds qui sont explosés. On dirait une alpha à la Ross ou Daisy. Quoi? De quoi tu parles? N'importe quoi. T'as pas vu... Enfin, tout est fonctionnel, quoi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est un jeu solo, hein. Il y a les cinématiques, il y a un scénario et tout. Hein. C'est... Enfin, honnêtement, enfin... Le côté un peu austère, c'est aussi parce que les devs sont en mode full immersion médiévale, quoi. On est sur des menus avec de la lettrine très très, très stylée médiévale, donc c'est normal, hein. Bonjour. J'ai les jambes cassées, tu peux m'aider? God be with you. Oh là là, mais faut que j'enlève cette cagoule. Alors, on va déjà dire ça. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Clever lad. I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Okay. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Ah, il va m'aider. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art le bourrin. Of opening it quietly and with sensitivity. Comme on déflore une jouvencelle. Oh là. je veux dire que je ne sais pas. Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll teach you then. Come with me. Là, il me respecte absolument pas le meunier. Hein. On sent que je l'ai saoulé à rester deux semaines dans le lit. Hein. Ce bordel. On est à un barrage et tout. Okay.
Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade. Use it to turn the whole mechanism at the right mode. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Now try poking around in the lockpick till you feel the right point where the tumbler is. Pas du tout. Je sais absolument pas. Je sais pas quoi faire. Got en fait. It? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you forced it to break the lock pick. That crack could be heard in Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize. Alors moi ma question c'est pourquoi le meunier est un expert en crochetage. Ah, ça s'agrandit puis on se rapproche du bon truc. Ah ok. Ah fuck. You're nice. A dab hand, Hal. Make something out of you yet. Remember, this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out. Hey, try it a few more times if you like. Thank you. Good luck. Essaye quelques autres fois. Et bonne chance, quoi. Le mec a pas fini sa phrase, il est déjà parti. Ok. Non mais je sais du coup, c'est bon. Ok. Je peux aller où là? Le souci du détail est vraiment agréable en tout cas. Hein. Quand le mec est meunier, il a tout fait. Il porte sa farine et tout, il y a son moulin. Thérèse! Have you eaten yet? Je voulais m'excuser. Il y a le pas. Je crois que je me suis mis devant le daron. Il a gueulé. Are you serious? Oui, c'était très bon. It was very good. Did you bake it yourself? I did. I'm glad you enjoyed it. Oh. Ouais, je sens que je vais conclure bientôt avec une discussion pareille. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Moulin. Votre lit. Ah, je vais peut-être dormir un peu. Je me suis cassé les deux jambes après tout. Il y a un système de skill en effet à monter, oui. On est d'accord qu'on se soigne quand on dort. Je vais dormir une heure, je pense. Hop. Est-ce que je me suis équipé de mes bottes? Enfin, il me semble que oui, hein, je les ai mes bottes. Ah non, pas encore guéri. Fuck. Mais oui, je les ai mes bottes. Ouais, bottillon, je les ai. Non, je vais dormir une heure de plus. Ah. Alors ça va mieux. Ça va mieux, mais je suis toujours bloqué. Au niveau des PV. Je sais pas trop pourquoi. La barre de PV est toujours lock. Ouais, ah oui, il faut que j'enlève ça aussi. Voilà, on va mieux comme ça. On est mieux comme ça. Ok. Oh, c'est coucher du soleil bientôt. On a fait une power nap, c'est bon, on est prêt. La power nap est effectuée. Qu'est-ce que c'est là? Donneur d'activité. Retrouver la bague dissimulée chez le bourreau et la dérober. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on doit faire. Parce que oui, il y a le cycle jour-nuit qui est vraiment full détaillé. Hein. Genre les villages, les gens vont dormir, les villages s'éteignent. C'est assez bien foutu là, de ce côté-là. Faudra offrir la bague à Thérèse, j'avoue. J'avoue, c'est une riche idée. Allez.
On va faire le voleur. Je vais réescalader cette montagne. Selon le jeu, je sens la bête. Pas vrai. Pas vrai, j'ai pas d'icône disant que je pue. Je sais que c'est le genre de jeu, tu finis en mode oblivion, tu te perds pendant des nuits entières à rien faire d'autre que de te balader et faire des trucs random. Je pense que c'est le genre de jeu, ouais, qui peut clairement avoir ce genre d'effet. Attendez. Donnez-moi une seconde. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat re... Parti, infiltration. Il y a des chiens partout. Il habite tous. Ah, la bonne OST celle-là. Ah. Là, elle est bien. Bonjour les chiens. Tout va bien. Tout va bien, vous souciez pas de moi. J'entends des bruits de pas. Non, c'est bon. Attention, crochetage. Oui, du premier coup. Fuck, c'est pas là-dedans. Calme-toi le chien, calme-toi. C'est là. Je vais casser. Nice. I'll take it. Un chapeau? Non, ça ira. Mais ta gueule! Il est juste derrière toi! C'est bon! Mission accomplie! Non! Sors! Fils!
Putain, mais... Ah, je peux pas sortir. Je suis bloqué chez lui. Je suis bloqué. Mais putain. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Mais... Comment je sors? Mais comment je sors? Ah, c'est un bug, ça. Bon, écoutez, au point où on en est... Putain, je peux pas sortir. Et je peux pas aller là. Oui, non mais je veux sortir, mais je ne peux pas. Je ne peux pas sortir de chez toi. Je ne peux pas. Bonjour monsieur, mais je voudrais sortir. Écoutez, est-ce que... Et je vous dépose... Un peu de viande séchée au sol, vous serez d'accord pour me laisser partir. Regardez, elle est très bonne. Mais pas un peu de viande séchée. Come on. Oui, non mais... Aïe! Aïe! Non! Laisse-moi... Aïe! Je veux partir de chez toi, mais je ne peux pas, connard! Aïe! Mais... Oui, c'est ça, sors-moi de ta maison. Sors-moi de ta maison. Mais ça marche, je ne marche pas. Putain de merde. Je suis bloqué, à l'aide. Ah. Aïe. 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 J'ai gagné de l'agilité. Mais il esquive tout. Non. Aïe! Oh putain, c'est lourd. Oh, mais il me fait des prises de karaté et tout au corps à corps. Mais arrête! Laisse-moi! Non, mais... Ah! Je veux sortir! Je me rends. Non, non, mais s'il te plaît. Je me rends. Arrête! Aïe! Aïe! Je me rends! Stop! Hear me! Stop! I give up! Mais putain, mais. Pourquoi je tombe avec un psychopathe qui veut pas accepter que je me rende? Aïe! Putain, mais c'est trop chiant! Allez, dans ta gueule! Ah putain, j'en chie de ouf! Eh! Eh, il m'a forcé, il m'a forcé. Non mais, eh, j'ai une épée. Ah ah, on court maintenant, aïe. Putain, il continue de me mettre la misère. Mais j'ai une épée. J'ai une épée, regarde. Mais c'est tellement un bourrin, le mec. Et ça suffit, voilà, va dans ta chambre. Mais je te peux... Je suis libre! Je suis libre! C'est bon, je suis enfin libre! Oh putain! J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Je suis libre! Oh là 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 là! Putain! Je suis libre! Oui! Ah oui. J'avais pas pensé aux dégâts de chute. Mais putain. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. Putain, quel trou du cul.
Où est-ce que je reprends? Oh non, me dites pas que... Non! Je reprends tout là-bas? Les amis, je crois qu'on va stopper le stream ici. Quand je reprendrai le live, on en sera à l'endroit où j'étais. Ok? Ok, on va faire comme ça? Ok. Oui. Oui, oui. Ok, ok. On va faire comme ça, les potes. D'accord? On va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais stopper le stream. Je vais aller manger. Ensuite, je crois que je vais me mettre à faire une petite vidéo. Et du coup, bah, je vais continuer ce jeu en live. Voilà. Certainement en après-midi. Ou après les streams Overwatch. Non, mais ouais, là, refaire tout, c'est un peu lourd en stream. Donc, je vais le faire en off. Vous inquiétez pas. Je referai exactement la même chose que j'ai fait. Et quand je reprendrai, on en sera à ce point. Voilà, tout simplement. Donc, si vous suivez évidemment la chaîne Alpha Replay sur YouTube, vous pourrez suivre l'aventure en VOD si vous la loupez en stream. Mais du coup, ouais. Bah écoutez, je kiffe. J'aime beaucoup. Je passe un très bon moment sur ce jeu. C'est très drôle. C'est vachement immersif. L'histoire est sympa. C'est un super simulateur Moyen-Âge. Vraiment cool. Vraiment super cool. Du coup, mesdames et messieurs, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi ce petit ninja stream sur Kingdom Come Deliverance. Voilà, on termine sur un magnifique suicide, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, on se retrouve. Je pense que j'en ferai peut-être bien demain. Peut-être bien demain après. Voilà. Je vous tiens au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, twitter.com/alphacastfr. Pour que je vous tienne au courant, tout simplement, pour que vous sachiez WhatsApp. Voilà. En effet. Bref, merci à tous d'avoir regardé ce live. C'était bien cool de vous avoir tous là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Portez-vous bien, bonne soirée à tous et des bisous. On se dit certainement à demain. Je stream pas ce soir. Yes. Ciao, ciao.